prononcer, ce n'est malheureusement pas Rock, et je le laisse se présenter. Bonjour à toi qui est... Qui est pas du tout top légende Hearthstone. Arwenia, rang 24. Arwenia, du coup. Rang 24 au jour de malheureusement pas Rock, et je le laisse se présenter. Alors là, rang 24. Je n'ai pas joué cette saison, là, utile de le préciser. C'est le retour du stream qui vient de pop. Je suis en train de modifier le titre du stream en Louis Tofu support Arwe sur Hearthstone. Pas du tout, pas du tout. Ce coltine, parce que support, on peut croire que c'est dans le bon sens du terme. Ce coltine Arwenia sur Hearthstone, ça me paraît bien. Ouais, c'est ça. Allez, c'est mis à jour. Tu le paieras. Et alors, on va faire un concept un peu spécial que vous avez déjà pu voir chez d'autres youtubeurs, Millennium, Gamers Origin, etc. Mais bon, ils l'ont pas breveté et que je trouve très sympa. Le keeper gagne. Donc, on va construire en BO3. Donc, on va devoir utiliser deux decks différents. Moi, je vais utiliser cette classe-là et cette classe-là. Comme ça, Arwe, elle est baisée. Elle entend pas ce que je vais jouer. Même si elle va sûrement jouer la même chose. Et donc, merde, je viens de balancer mon stylo, mais c'est pas grave. Le but, c'est très simple. Vous n'avez pas le droit de capituler, mais vous avez le droit de vous cibler avec des sorts, de faire ce que vous voulez. Le but, c'est de mourir le premier, tout simplement. Donc, on va commencer par cette classe. On va commencer à construire notre game. Si t'étais dispo, t'enverrais du clash, ça serait bien. Donc là, le but, ça va tout simplement être de mourir le plus possible. Donc ça, c'est très pratique pour se mettre des dégâts. Ça aussi. Ça aussi. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Ouais, je suis pas sûr ça, parce que ça peut nous donner les deux trucs qu'on a vus un peu plus haut. Attends, c'est vachement dur de parler en fait sans dire la carte qu'on est en train de mettre dans le deck. Ça met des dégâts. Oh, qu'est-ce qui est intéressant? Ah si, je sais ce qu'on va mettre, attends, est-ce que je l'ai? Alors, j'ai mis le chat sur mon téléphone, mais j'ai okay. Juste le chat. Je crois que je l'ai pas, putain. Oh là là, il y a Galaxian qui vient d'arriver. Oh là 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 là. Je crois que je l'ai pas. Vas-y, j'ai la flemme de le crafter. J'ai mis 15 de poussière, je vais pas le crafter. C'est lui, Galaxian. Mais tu vas crafter des cartes pour jouer à ce qu'on va jouer? Non, mais c'est une... Non, en plus, je trouve que cette carte, qui est beaucoup jouée, une des pires cartes du jeu, alors que beaucoup de gens la jouent, je vais pas la craft parce que je suis proche de la légendaire. Ça, c'est très fort. C'est très fort, non pas pour gagner, mais pour pas perdre. Enfin, dans le contexte, puisque le but, je rappelle, c'est de perdre le plus vite possible. C'est très fort pour ralentir l'autre. Tu fais ton deck pendant ce temps, rassure-moi. Je suis en train. Ça, on en a pas besoin. Ça pourrait être... Merde. Mais tu sais que je vais win, de toute façon. J'ai tellement défoncé la tête. Je suis gentil, je me tâtais franchement, allez. Attends, mais je les ai pas les cartes auxquelles je pense là. Je me tâtais aller sur YouTube pour regarder ce qu'avaient fait les autres, mais je vais pas le faire. Mais attends, je l'ai pas la carte qui est une épique création, regarde, tu veux une création. Alors ça, c'est adorable, Rainix, et je te remercie. Ouais, alors, pas de stream hack, hein, ni de Arwen, ni des autres. Ah, je l'ai pas non plus celle-là. Oh, t'as, y a tellement de cartes que je devrais craft pour pouvoir bien niquer tout ce qui a niqué. Bah attends, on va faire tout ça. J'en profite pour préciser juste que j'ai été malade pendant plusieurs jours et que ma voix risque d'avoir des aléas de temps en temps. On va mettre tout ça. Oui. Ah ça c'est super fort. Ça pour bien lui niquer sa race. Non je rigole, on parle pas comme ça de sa présidente. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort en fait. Et tout ça c'est très fort en fait pour essayer de mourir d'une certaine façon. Mon indication était ratée. Oui. Ça on veut pas parce que s'il y a ce à quoi je pense. Parce qu'en fait elle sait pas à quelle classe je joue, même si elle s'en doute, parce que on va faire en BO3 donc il y aura deux classes. Et la première classe est très facile à trouver, quasiment tout le monde va jouer cette classe. Logiquement, en keeper gagne, t'as pas 36 000 classes que tu vas prendre en premier. Bah, en fait normalement tu joues démo en premier. Bah oui, tu fais moins de points à chaque fois, c'est logique. Mais la deuxième, comme je triche un peu parce que comme j'ai regardé les vidéos YouTube pour trouver le principe, oh ça c'est super fort mais... Attends. Oh le génie. Oh attendez, le génie. Vous l'avez vu la combo de ouf là? Il y a pas de souci, Rainix. J'ai récupéré ma voix tout doucettement ce matin, donc je te fais signer. J'ai appelé mon deck Arwe égale perdu. Bon, c'est pas très original, mais c'est pas grave. Mais quel enfoiré! Donc dès qu'il est prêt, on lui défonce sa race. Après, je te défonce Pitofu. Ouais, c'est ça, ouais. Il troll tous les deux. Nique lui sa race, comme on dit. T'inquiète pas, je te nique ta race d'ailleurs. Lui, de toute façon, t'as envie de perdre, tu vas pas être efficace du tout, je pense. Là, on va voir. Donc voilà, c'est un concept qui est sympa. Et il y a une autre combo à faire avec l'autre classe qui est hyper forte. Je vais la montrer au chat. Attends, je vais montrer la combo au chat. Évidemment. Montre, de toute façon, tu vas perdre. C'est cette combo, enfin cette carte. Que vous jouez avec celle-là. Évidemment. Insta-win. Enfin, insta-lose, mais vous avez compris. Je suis sûr qu'elle stream hack. Je sub dehors le stream hack. Attends, on va regarder. Salut Sun Geek. Ouais. Je t'inquiète pas, je fais attention. Mais parce qu'en fait, là, je la vois comme connectée parce qu'elle est connectée pour lire le chat.
Mais je suis sûr qu'en fait elle est connectée pour streamhacker comme la dernière des streamhackeuses. Tu me dis quand tu es prête. On va faire notre deuxième deck pendant ce Comme temps. la... Non mais t'as tellement peur de perdre que t'es obligé déjà de Ça, c'est te fort. justifier en disant non C'est mais elle fort. streamhack, hein, Mais bien sûr, tout le monde sait qu'elle streamhack, ça c'est pas... Ah, C'est... mais Oh, ça j'aime c'est fort pas. aussi, ça c'est fort. Bien sûr, on va mettre notre combo. Ah merde, attends, parce que si on fait cette combo, on va faire... Bah oui, on va faire ça. Sauf pour ça, parce que si on la joue, vous comprenez... Le chat comprend, le chat comprend, sauf... Bah, Sungi, je crois, parce que tu m'avais dit que tu jouais pas Hearthstone, donc si tu joues pas vraiment Hearthstone, c'est normal que tu comprennes pas ce que je suis en train de faire. Évidemment, je suis Madcorp, vous pesez, mais moi je suis pas joueur Hearthstone, je suis juste un meilleur streamer. Dis que Haroué joue et que moi je bosse. Ah ben bravo, exactement Polaris. Là, la présidente de l'asso, Mais. Oh! Et en fait, le chat a décidé de se liguer contre moi, Ça, c'est ça. ça? Ah non, putain, on en solide. Putain, j'ai failli dire une connerie. Oh, j'ai failli dire une connerie, sa mère. Ça, c'est ouais, je pense, ça peut être utile. Ça, évidemment. Non, mais en. Putain, là, là, c'est dur, c'est dur. Ou alors, on fait une petite liste et tout, mais on n'est pas encore réduit à cette extrémité. Tu me dis quand tu es prête avec ton premier get. Deck, nous, on est au deuxième, hein, je dis ça juste. Get! Ah ouais! Au premier get! Ah non, zut. Ouais, j'arrive, j'arrive, ouais. Ça, c'est fort aussi. Mais, ah, j'ai pas la petite épique non plus, la petite relou de ta mère là. Attends, regarde, celle-là, donc j'ai. En fait, il manque plein d'épiques, mais c'est des. Pourquoi le clash des TV? Bah, on n'a pas envie que vous perdiez en fait. Tu dis que des conneries, tu sais. Ah, mais je sais pas. Ah, tu joues sur mobile, d'accord, non, je savais pas en fait. Team Arwenia, mais Sun Geek, et c'est la dernière fois que. Hein, d'accord. Jamais. Ça peut être fort. De toute façon, il nous manque des cartes dans ce deck. Donc on rappelle hein, pour les viewers qui viendraient d'arriver, nous on a déjà fini notre premier deck pour le keeper pour le keeper gagne. Donc j'en suis au deuxième deck. Parce que c'est en BO3. Moi, j'en suis toujours au premier. Eh ben, c'est joyeux. Ah ben, on va remettre cette magnifique combo. Qui permet aussi de gagner assez facilement. Alors, petite question Oh sur putain. le qui perd gagne. Ouais. C'est la question du soir, bonsoir. Attention, attention. Est-ce que je suis forcée d'attaquer avec les serviteurs qui sont sur mon Non, plateau non, ou est-ce non. que je peux passer mon tour? Tu fais ce que tu veux, tu peux attaquer, tu peux faire des trades, tu peux face ou tu peux les poser. Juste les poser. Pour bénéficier de leur Ok. effet. Ça marche. Donc nous voilà, on a cette combo là, cette carte là, plus cette carte là, c'est pour ça que celle-là, et vous voyez, il y en a. Alors que les autres, il y en a. Je parle comme un mongol en faisant des gros signes au chat. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre pour perdre comme un teubé? De toute façon, on n'est pas pressé parce qu'on a ça pour l'empêcher de se tuer. Ah, mais oui! Oh, je viens d'avoir une idée de génie. Comme ça m'arrive à peu près tous les jours. C'est slide. Mais pas pour nous. Vous avez compris ou pas? Vous êtes con, mais vous avez compris quand même dans le chat. Alors, c'est rang. Le mot-clé, ouais, c'est rang. Il nous manque une carte pour finir le deuxième deck alors qu'Arwen n'a pas fini le premier, mais bon, c'est pas très grave ça. Si le Je chat. fais ce que je peux, mon petit. Faut jouer en enragé du magma, mais en attaquant, cette carte te fait auto-lose en Battlecrad. C'est pas faux. Et il est où ton overlay? Mon overlay, il est dans mes. Non, il n'y en a pas. Parce que les gens Rends viennent ici, l'argent aux abonnés. non pas pour l'overlay, mais pour moi, vous voyez. Donc, j'allais dire, si vous avez des idées de cartes, dites-les dans le chat, mais non. Dites-les en MP. Oh, ça c'est fort. Ah, ça c'est super fort. Attends, on va la mettre dans l'autre deck aussi, je pense. On va tèche un comme ça, on va mettre. Ça c'est fort. Qu'est-ce qui est pas super utile? Ça bien sûr c'est pour gagner d'une certaine façon. Qu'on a mis toutes les cartes qui ont le. Ces deux-là, celle-là, celle-là, plus le pouvoir héroïque, plus bon celle-là ça combotte un peu, plus celle-là, c'est pour gagner, vous avez compris comment. Enfin pour perdre, mais bon. Go jouer Milouz! J'ai pas Milouz. Salut Dals qui me parle sur Skype. Tu vises tout le temps qu'on vient pour toi, mais perso, je viens pour Arwen. Mais ça, c'est parce que vous, les filles, vous combattez entre vous, c'est tout. Ça peut être fort, mais est-ce qu'on a quelque chose qu'on a Tu veux envie? pas test? Ça, parce qu'en fait, elle l'attaquera jamais, donc autant mettre ça pour. Tu me dis quand t'as fini ton premier deck, putain. Oui, détends-toi. Ah non, je suis tout tendu là.
Cette phrase peut être très mal interprétée. J'ai pas envie de savoir. Et donc, et le chat non plus. La carte qu'il faut jouer, à mon avis, pour arriver, pour comboter très bien, c'est celle-là, mais on l'a pas. Et on voit pas la craft parce qu'elle sert jamais. Oui, merci Polaris, je l'ai mise dans les deux decks d'ailleurs. Salut Mina. Et les Mina, d'accord. En fait, comme il n'y a pas les mêmes pseudos partout, c'est compliqué parfois. Même moi j'ai un overlay. Mais moi j'ai un overlay pour Dofus, mais pas pour Hearthstone parce que j'y joue très rarement. Donc voilà, c'est fort. Ça c'est fort aussi, mais on l'a pas. Et Si c'est fort, c'est Cirosport. J'étais trop jeune. Oh, comment je t'ai cassé! Oh, ouais, à mon époque ça existait pas. Vous avez vu Chroniqueur Chaud Doré, ça sert à rien. Match de Santel, Nos Doré. J'ai plein de légendaires dorés, mais c'est des légendaires qui sont peu joués. J'ai Nos Dormu Doré. Voilà. Quand tu veux, chef. En fait, elle a peur. Elle a je suis presque. Tellement peur. Je tremble. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de cartes de merde que tu peux pas jouer. Par exemple, le Saboteur, c'est de la merde, mais ça servira à rien. Le Registreur du Colisée, c'est de la merde, mais ça servira à rien. Enfin, tu vois, le but c'est pas de jouer des mauvaises cartes comme le Freebold. Mais tu sais que ça fait vachement réfléchir de jouer dans ce sens-là. Hein. Ouais, bah effectivement, t'es pas prêt de gagner alors s'il faut réfléchir. Parce que t'es en train de. Oh là là. Ouais, Kirby, mais j'ai pas Jaraxxus. C'est pour ça que j'ai mis. Du niveau, je sens. C'est pour ça que j'ai mis deux autres combos pour faire l'insta-win aussi. Celle-là. Avec. Il est où? Lui. Parce que ça permet tout de suite d'être. Ok, tu gagnes pas tout. Enfin, tu meurs pas tout de suite, mais t'es sur le point de mourir. Et j'ai mis celle-là aussi. C'est pour ça que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes jumelles. Goledez, mais non. Galaxian FR, c'est dire. Mais le mec des enchantes, Delec Doré. Mais non. Comme je ris, elle te bat. Excellent. Je désenchante jamais une carte. T'as coupé ton micro. Moi? Non. Attends. Non. Il paraît que j'ai coupé mon micro. Non. Putain, la tentative de déstabilisation, mais la tentative de déstabilisation éhontée pendant qu'elle est sur YouTube pour regarder la vidéo de Tork et Marmotte qui font la même chose. Si je veux te déstabiliser, je peux faire bien pire que ça, je te le dis. Et donc, putain, je sais plus où j'en étais. Ah la méchante. Ah là là. Et donc, voilà. Non, alors en fait, comme je suis un ancien joueur de vrai TCG, que ce soit magique, enfin de TCG papier, je désenchante jamais les cartes. Enfin, là par exemple, vous voyez, j'ai souvent le maître lame blessé dans un booster, je les enchante parce que j'ai une version en doré, mais je privilégie le doré. Je les enchante jamais une carte tant que je l'ai pas en double, parce que je pars du principe que ou elle servira un jour, ou que j'ai envie d'avoir la collection complète, tout simplement. Il est coincé palier 10, là je suis palier 12 parce que j'ai joué un prêtre aggro complètement merdique. Toi t'es combien? Arwenia, putain, en 19 j'ai honte. Attends, on va l'appeler. J'ai pas joué cette saison. Je te défonce. Mais fais-toi plaisir. Alors elle est tous... Ouais malheureusement. Et, Shumodo, donc je peux tous vous bam déjà. Alors... Jean-Jacques Huissier, Jean-Michel Huissier dans mon oreille qui me dit qu'effectivement, il reste encore 30 secondes avant la disqualification de ma concurrente. Vous voyez par exemple, ça c'est une bonne grosse carte de merde. Ça c'est une bonne grosse carte de Témor, mais personne la jouera. Je te conseille, mais amicalement... Ah mais je l'ai pas mis celle-là. Ah mais si, mais dans les decks. Celle-là, cette carte est très forte aussi. Je te conseille de réfléchir pendant qu'on joue aux cartes que tu vas mettre dans le deuxième deck. C'est bon. Peut-être que tu... Ok, c'est bon. On commence avec lequel? Haru égale perdu ou je te défonce? Le chat vote. Oui, je sais qu'avec une lèche dorée, t'as une date de ton choix passé. Le chat vote, est-ce que je joue Haru et t'as perdu ou je te défonce? Je te baisse cordialement. Appelle-le, je te baisse cordialement. Il peut tous nous ban. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ce dictateur? T'as vu? Le chat a toujours pas décidé. Hein. T'as vraiment appelé tes decks comme ça? Bah oui. Haro égale perdu et je te défonce. Je te défonce. Allez. Non mais c'est pour les différencier des autres parce que là j'ai le seul, l'unique, qui est le deck Hunter Goré, doré évidemment. Le deck Cancer Druide œuf. Le deck Top Tier, toi-même tu sais. Le deck Cancer. Vous allez me dire, il y a beaucoup de decks Cancer. Un deck Prêt de Contrôle qui marche bien. Un deck Mecha Kaka parce que c'est un deck secret parce que je suis un connard. Un deck Haro égale perdu. Un deck Je te défonce. Allez, je te défonce. C'est parti. Le deck prêtre. Mon deck s'appelle Louis Mort. Louis Mort. Deck prêtre contre démoniste, je suppose. Là, ça charge. Bon, évidemment, on notera tous qu'il y a Louis du stream hack. Louis Mort, ce soir. Attends, j'ai mon jeu qui est en train de planter, là. Non, c'est bon. Ouais, parce que t'as peur de moi, c'est tout. T'as accès au chat, tu m'as dit? J'ai accès au chat, ouais. Ok. Toi-même, tu sais. Parce que j'ai mis des messages qui peuvent être en rapport. Qui peuvent être en rapport avec le fait que tu as accès au chat. Oh, mais t'as tellement le niqué, Saras. Pardon, j'ai encore dit un gros mot.
Je parle comme quand je joue tout seul en fait. Mais comme il est excité, le Alors vous petit, voyez, mon Dieu, mon là, Dieu. elle a le dos de carte de la BlizzCon, c'est bien. Et moi j'ai le dos de carte noyau d'énergie que n'obtiennent que ceux qui sont passés sous le bureau de Mike Morhaime. C'est cela, oui. Voilà, si Louis est mort, en fait il a gagné effectivement pour ceux qui nous rejoignent. On joue au qui perd gagne, donc le but c'est de perdre. Alors évidemment on peut pas concede, ce serait un peu trop facile. Elle se tâte à faire pièce, je sais pas quoi. Et nous on n'est pas obligé d'attaquer, c'est une très bonne réponse. Et vous voyez, notre pouvoir héroïque est très bien pour bien de la def. Ça, avec ça par exemple, ça permet de vite avoir plus rien là-dedans. Là, elle est en train de se demander Je peux pour. faire un jet de besoin. Là, elle est en train de se demander pourquoi je joue cette carte. Parce qu'en fait, je pense pas qu'il ait le QR Non, je ne Stone. me le demande pas. Je pense pas qu'il ait le QR Stone pour Pas. comprendre. Mais c'est pas grave. Le QR Stone, il te. Hein? Bon. Il te dit cordialement d'aller voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Donc voilà, notre but c'est absolument de pas trade le croc zombie, même si elle l'a joué. Oh, ça c'est top deck ça. Ouais. Merci beaucoup. Bah oui, mais je t'ai heal, C'est le mais. gros problème du prêtre, ça. C'est que je vais la heal. En fait, je vais counter son pouvoir héroïque. Alors évidemment, elle va piocher, donc elle pourra arriver à la fatigue. Mais à partir, mais je vais pouvoir contrer son pouvoir héroïque, c'est-à-dire qu'elle va se prendre de dégâts, mais moi si je le joue, je la soigne de deux. Donc c'est pour ça que le prêtre est très fort. Le prêtre, le démoniste meurt très vite, donc il est fort dans ce match-up. Et le prêtre en fait empêche l'autre de mourir. C'est ça qui est très fort. Mais tu sais quoi? En fait, je vais dire quelque chose de super philosophique. Prépare-toi. Merde, on n'est pas préparé là. Dans tous les cas, je serai satisfaite parce que soit je me fais mourir et du coup je gagne, soit tu meurs et du coup je suis quand même contente. C'est vrai. Cette carte, en fait, là, je suis obligé de faire de parler un peu stratégie. Celle-là, on l'a mise parce que vous avez vu la combo, donc on est obligé de meubler un petit peu, donc c'est pour ça que, parce que cette carte est pratique. Et là, cette carte, je vais essayer de la trade, bah évidemment, quand j'aurai encore 30 PV. Bon, là, elle devient à peu près, mon mais c'est. Qui a planté. Hearthstone ne répond pas. Magnifique. Ah, bah voilà! Allez, 1-0! Non, mais t'as rêvé, toi. Attends, on va mettre du texte ou pas? On met du texte? On met du texte. 0. Attends, 2 secondes, je mets du texte sur le live. Mais parce que Louis il aime tellement sa voix, tu sais quoi. Attends, parce qu'on voit pas les pseudos. Ouais, on l'entend trop, on l'entend trop. Tu l'ouvres trop, mon gros. Je baisse un peu mon micro parce que c'est le passage. Voilà, je mettrai le deuxième score un peu plus tard. Alors attends, comment est-ce qu'on va bien la défense? On va faire ça déjà. Ah, déjà on est content. Là déjà on est content. Et voilà, et on va pas taper. Non, mais de toute façon, c'est que le prêtre s'est cheaté, tu vois. Le prêtre s'est cheaté, n'importe quoi. Donc il y a 0. Aruenia 0. On voit bien le gros 0 là. Bien dégueulasse. Vous me dites si. Chez moi, la lettre est un peu basse qualité. Vous me dites si chez vous aussi c'est le cas ou pas. Je mets la scène. Je rajoute le score en bas. J'ai un énorme fusil, mais c'est dégueulasse. Mais tu sais pas où il est caché. Bah, dans ton slip, je crois. Bon, je alors qu'est-ce. Je porte pas de slip, moi, monsieur. Ok? Qu'est-ce qu'on va jouer? C'est marrant parce qu'en fait, ça demande un effort de concentration terrible pour pas faire des plays qui sont intéressants, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as envie de faire des trades, de te heal, mais il faut surtout pas se heal. On entend pas ah, trop Aruenia. C'est pas bête d'avoir mis l'empereur Torissant. J'y ai pas pensé. J'ai mis ton je son. Attends, je vais monter encore un peu ton son dans mon mélangeur de volume. Mais en fait, Torissant est clair. Oh oui, il pousse le son, baby! Torissant est clairement là pour, pour faire de la place, hein, on s'en bat les steaks de Torissant. Vas-y, j'ai monté ton son pas mal là. Voir, je l'ai doublé. Bah déjà, ça c'est juste pour le what the fuck. Ça c'est juste parce qu'il est gold, il est beau, et on va lui niquer sa race. Alors ça c'est fort aussi. Parce que là, en fait, je bosse chez Kudlun depuis assez longtemps maintenant. Enfin, à l'époque d'Elysium Gaming déjà. J'ai toujours considéré. Trop longtemps d'ailleurs, ça s'arrête maintenant. J'ai toujours considéré. Non mais écoutez pas. Qu'Aruenia était essentielle à la structure et qu'il fallait l'empêcher de disparaître. C'est pour ça que ces deux cartes, par exemple, cette combo me permet de la maintenir en vie et d'empêcher qu'elle nous quitte tragiquement. Là, c'est une carte de merde, une carte de gros, grosse. Pourquoi? Pourquoi je joue cette carte d'Aubé à l'instant présent? What? Mais je fais ce que je veux? Mais pourquoi je veux le bombardier fou? À moins qu'elle joue Reno Jackson, il n'y a pas d'intérêt en fait. Enfin, c'est le genre de. Typiquement, le genre de carte à la con que tu dis. Même dans un deck Reno Jackson, à moins de jouer le deck Reno Jackson du pauvre, tu joues pas ça normalement. Ok, elle va silence Toto. Toto, les bons tuyaux. Nous, on va faire ça. On va faire ça. Oh, le top deck!
Lui, il est un peu là que pour le troll, on va pas se cacher. Je suis étonné qu'elle ait toujours pas traite ce truc là. En même temps, quand je passe ma souris dessus, elle le voit aussi que je passe ma souris dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un Ça détail. fait rire. Ça, c'est. Ah. Allez, vivre. Alors. Arrête de dire lettre! Ah, j'ai encore dit la lettre 0! Ah oui, parce qu'en fait, hier j'ai dit la lettre 1 comme mot de passe d'un serveur, et en fait c'était le chiffre 1. On est au Keeper Gain, hein, je le Ça rappelle pour ceux qui m'énerve n'ont. Adrien. Ça m'énervait. Ah, ça fait un peu chèque des silences totaux. Mais voilà, tout à l'heure j'ai parlé du saboteur, elle le joue. Mais il y a tellement. Il y a tellement de cheat dans ce deck. C'est pas grave, c'est pas grave. Avec ça, il y a clairement moyen de décéder assez rapidement. Ok. Pourquoi? Ça fait un peu le ménage, c'est pas faux. Ça me heal. C'est ça. J'en avais marre un peu, tu vois. Bon. Le board surchargé. On va troll un coup quand même. Allez, maintenant on se magne. Sachant que les animations prennent beaucoup de temps et peuvent perturber le tour de l'autre. C'est-à-dire, plus tu joues de trucs, plus les animations s'enchaînent, moins l'autre a le temps de jouer. Alors celle-là, elle est là juste pour faire chier Nosdormu. Ok, j'y ai pensé, mais je me suis dit que l'adversaire traderait jamais à moins que tu fasses. On va faire ça pour chez Pion. Voilà, on va faire ça et ça, je pense qu'on fera. Non, pas du tout. Sinon ça va, tu le vis bien d'avoir 60 000 légendaires? Ah bah clairement là, oui. Espèce de gros porc. Oh, la violence verbale. Je peux pas regarder le chat parce qu'en fait son tour va se terminer trop vite le temps que je revienne. Ah, elle joue Jaraxxus, donc déjà elle réduit ses PV, c'est pas bête. Mais tu vois comment elle a des légendaires de tes morts aussi. Bon là, à n'importe quel moment, au top deck, on a gagné. La pression. Merde, j'aurais dû faire ça en fait, parce que... Non, faut pas que je me meule, faut pas que je me meule. Ne me serais-je pas meulé quelque peu? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je me suis meulé comme un débile. Donc j'ai une chance sur 11 de perdre la carte qui peut me faire gagner au niveau de la combo. Si elle joue la carte à laquelle je pense, elle peut insta-win. Mais je pense qu'elle la joue pas. Moi aussi, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir. J'ai pas le temps. Je regrette d'avoir joué cette carte. Écoute, laisse-moi faire de la place. Je la BGH parce que là, c'est n'importe quoi. Trop compétent, n'importe quoi. T'es sûr que tu veux pas me laisser BGH Nosdormu? Putain, on n'a pas le temps de réfléchir. Oh, c'est. Ah, on a gagné le prochain tour! On a gagné le prochain tour! Espèce d'enfoiré. Par contre, il va falloir faire un peu de place sur le board. On va faire ça, puis on va faire ça. Je monte un peu le son pour qu'on entende le bruit de la légendaire. Tu l'avais pas vu venir cette combo, je suis sûr. Tu l'avais vu venir ou pas, honnêtement? Non. Ah voilà, ce qu'on appelle du Je m'en génie. doutais trop que t'allais faire ça. C'est pour ça que j'ai toutes les cartes en un exemplaire sauf le Kenai, parce qu'en fait le Kenai quand tu la joues. Alors je me permets pendant que tu fais C'est ton. surtout pour ça que tu joues une carte bien bâtard dans ce mode de jeu. Si Tank est marmotte, non? C'est pas ça? Si Tank est. Alors, Marmotte avait pensé à la même combo. Voilà. Marmotte avait Non, pensé. mais. Alors j'en profite pour modifier le texte, hein, si tu le permets. Là, on va écrire 1, évidemment. Voilà. Ok. On appelle le premier à 2. Ensuite, on fera un Tavern Brawl. Et là, je vais bien encore. C'est le premier à 2. Là, elle va faire un deck prêtre parce qu'elle a aucune originalité. Alors là, tu rêves. Tu peux copier toi? Ça, jamais. Bon, mais en fait, tu peux pas gagner si tu fais pas un deck prêtre parce que le deck prêtre est très très fort pour te meuler et pour piocher tout ton deck jusqu'à la combo. Mais tu vas pas rejouer prêtre là. Mais non! Mais je parle pour toi. Mais si tu joues chasseur, paladin, voleur, chaman, enfin je vois pas comment tu peux. Parce que le prêtre, même s'il fait pas beaucoup de dégâts à lui-même, fais ton deck hein, pendant ce temps. Il a au moins la capacité de la faire tenir. Écris la lettre 1. Très... Fais ton deck pendant ce temps, ok? Attends, les règles. Voilà. Celui qui perd gagne. C'est ça le principe de ce. Alors, Galaxian, qui est là depuis 30 minutes, n'avait toujours pas compris. Je me Exactement. relève. On va montrer notre deck aux viewers pour l'instant. Mais oui, c'est le principe, c'est de Ça perdre. va, sinon tu
toi-même, tu le vis bien ou pas? Franchement, ouais. Notre Arwenia Cooldown va se coltiner le 8 au fou sur Aston juste à 20h, c'est par ecdote pour une big dose de fun. Ah, j'ai tweeté, bien sûr, je vais répondre. Pour une fois que je vais répondre, pour une fois que c'est pas Louis qui ne se coltine Sun Geek. Par contre, mon Twitter est en train de me dire clairement que c'est pas le moment de lui répondre. Pendant ce temps, je vais vous montrer la decklist avec laquelle on va faire un 2-0 magnifique. Le Voilà. problème, c'est que le deck. Elle a pas les cartes. C'est ballot. Mais. Ah! Alors, tout le monde, tous ces bâtards sont en train de tweet, de dire sur YouTube. Tu verras, j'ai juste lu le tweet que je t'ai envoyé, Sungi. Tous ces bâtards sont en train de te lécher les pieds sur Twitter. Je supporterai pas Louis, tu as besoin de notre aide. Sauf Dalziel. Tu vas avoir besoin de beaucoup de soutien pour 2 heures de live en compagnie de Harwinia. Je propose que Dalziel soit augmenté tout de suite. Dalziel, tu es un génie. Merci Ah là beaucoup. là 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 Je vais même lui répondre, merci camarade. Non. Ouais. Alors, Sungeek, je t'ai répondu tout simplement sur le Twitter, comme on appelle ça dans le jargon. Là, on attend qu'Arwenia constitue le deck de la loose. Hein. Oui, je suis en train. Ça, c'est vraiment la meilleure carte du jeu qu'on a dans le deck là. C'est vraiment la meilleure carte du jeu. Oui, puisque nous jouons notre ta gueule, moi. En fait, j'ai dit nous jouons, puis j'ai dit moi, mais c'est pas grave. Allez, allez. On va PL. Nous sommes dans l'expectative la plus totale, hein, bien sûr. Mais tu ne sais pas ce que je vais jouer. Non, en fait, ça veut dire qu'on attend et qu'on se fait chier. Mais oui, non, mais après, on est dans l'expectative, bien sûr. Pour ce keeper gagne deuxième MDR, mais non, c'est pas lui qui se coltine Arway, c'est l'inverse, mon cher, je t'assure. Bien sûr. Ah, puisque le titre du stream est tout à fait. Bon, j'hésite à ban Moobot. Est-ce que je peux ban Moobot? Non, je peux pas, je crois. Ça aurait été drôle. Si, ça aurait été drôle. Donc on joue ça parce qu'en fait ça, si tu lui mets ça dessus, bah, tout de suite c'est plus facile de mourir, notamment avec ça. Avec ça. Ça c'est pour elle, c'est pas pour moi. Ça c'est pour tout le monde. Ça c'est parce que c'est marrant. Voilà. Ça c'est parce que ça peut nous permettre de trouver ça ou ça. Donc tout ça c'est fort. Et tout ça c'est pour... Voilà. Mais je suis pas confiant dans mon... Je suis pas trop confiant dans mon deck démoniste. Effectivement, j'ai un Pacte Sacrificiel, c'est fort, mais je l'avais pas. Tu jouais Pacte Sacrificiel ou pas dans ton démoniste? Putain, elle joue Jaraxxus, elle joue pas le Pacte Sacrificiel. Mais il n'y a aucune gloire à gagner au Keeper gagne contre elle, quoi. Donc tu sais que comme on est en BO3 Conquest, t'as le droit de rejouer le deck, hein, si tu trouves qu'il est meilleur. Mais qui te dit que ce n'est pas ce que je suis en train de préparer? Non, mais t'as pas le droit de rejouer la même classe avec un autre deck, hein. Bah, bien sûr que si. Non, en format Conquest, t'as pas le droit de jouer la même classe avec un autre deck. Oui, bah t'as qu'à préciser tes règles, hein. Voilà. Non, mais c'est les règles du format Il y a deux Conquest. contrats de signer au Alors, démoniste, hein, donc hein. qu'est-ce qui m'empêcherait? Bon, je vais pas le faire parce que t'as encore un peu de crédibilité. D'aller voir nos joueurs Hearthstone et de leur mettre. La présidente ne connaît pas les règles du Conquest, alors quand elle vous soutient sur Twitch, hein, bon. Mais t'as pas fait de... Tu m'as pas dit, tu m'as dit on joue à qui perd gagne, moi, c'est tout. Oui, mais en BO3 Conquest. Elle croyait quoi? Tu croyais que c'était un BO3 King of the Hill? Je suis désolée. Putain, elle est en train de faire un deck démo, mais viable. Donc on lui a dit pour Jaraxxus Pacte Sacrificiel, elle est en train de le mettre dedans. J'ai tellement la haine, j'ai tellement lui racler Non, lui je l'avais déjà. j'ai tellement lui racler lui Je racler suis en train de le board. Pardon? Le board. J'ai cru que t'allais t'enflammer un peu, là. Mais non, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Lui racler le derrière, ça veut rien dire. Lui racler le board, ça passe. Bon, celle-là, on la joue pas parce que là, ça a aucune utilité. Bon, voilà. Arwë triche, Arwë triche. Mais c'est pas grave. Je ne triche pas, non, non. Se J'ai dit que je ne coltine. vais pas faire les Oui, règles, c'est se tout. coltine. Attends. Louis gagne contre. Attends. J'ai marqué quoi? J'ai marqué. Se coltine, oui, ça existe. Attends, j'ai changé le titre. Louis gagne contre Arwë même si elle triche. Arwë. Espèce d'enflure. Contre. Mais fais ton deck, t'es mort et laisse-moi jouer. Même si. Elle triche. C'est mise à jour. Les Français ont le droit de savoir la lettre 1. Attends, je vais même mettre. Je vais dire à tout le monde de venir nous voir. Vous
Venez me voir tuer la présidente sur Skype, je mets. Ça me paraît bien. Bon. Je sais que t'as pas envie de te prendre le 2-0 trop vite, mais enfin, c'est peut-être le moment ou jamais, hein. J'arrive. Ah ouais, donne-lui une bonne leçon à cet insolent, mais... C'est pas une bonne leçon, j'ai juste lui ratatiné le derche. Ça ne veut strictement rien. Bon, j'ai pas mis une os d'or mou, mais ça m'a tenté parce que je me suis rendu compte que c'était un peu trop le bordel. C'était un... Quand il y a une os d'or mou dans le deck. Simon, on aurait pu mettre... Si on avait eu les cartes, on aurait mis ça pour prendre des dégâts. On l'a vu qu'elle le jouait, on aurait mis ça aussi. Pour arriver plus vite à la fatigue, mais on le joue pas. J'ai quand même pas le craft juste pour ça, parce que le saccageur gangrené, très clairement, je trouve que c'est une très mauvaise carte dans la mesure où, même si t'arrives, à partir du moment où t'arrives à la mettre en place, mais moi j'aime les coups de fouet, à partir du moment où t'arrives à la mettre en place, effectivement, si tu la mets en place tôt, par exemple tu fais pièce, innervation, innervation, non je suis bête, TOT1, tu fais innervation, innervation, saccageur gangrené, l'autre peut pas le gérer, tu le tues très vite, mais en fait, si l'autre peut le gérer, ce qui est souvent le cas, ou si l'autre te joue 4 cartes dans le tour, t'es tellement mort derrière, enfin, ah, vous avez été défié par Madame Arwenia. Arrow égale perdu, ça me paraît un bon deck. On rappelle qu'il y a un 0. Plusieurs sera sa chute, du coup, bien sûr. Le respect est décédé à du côté du streamer en cette heure tardive. Ah non, mais il y a le respect. Il va vite se souvenir. Ah, tu veux qu'on. Si tu veux, Sungi, que demain soir on fera des duels, on va rire. Hein, on fera des duels de MMO. Il y a combien dans nos duels de MMO? C'est quoi le score? 2-0 pour un certain Louis, je crois, ouais. Et 0 pour une certaine Sungi. Parcage du Murloc. Alors, en plus elle triche, elle a pris la même classe mais pas avec le même deck, putain. Regardez qui est connecté, voilà, vous avez son battle tag. Je comme ne ça... triche pas, c'est toi qui sais pas organiser. Regarde, comme ça tout le monde voit son battle tag et tout le monde peut l'ajouter en ami, spammez-la bien. Bon, en même temps c'est pas comme... Concentré, c'est... Salut Peter, en même temps c'est pas comme s'il y avait 100 000 personnes sur le stream non plus. Sungi va prendre cher demain, mais alors, bien sûr, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour ceux qui viennent de... Parce qu'en fait, je lui mets un zéro, là. Donc, je suis chaussé. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on fait un keeper gagne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de capituler, évidemment, en cliquant là, ce serait trop facile. Mais le principe, c'est de perdre le plus vite possible. Le premier qui perd marque un point. Et c'est en BO3, c'est-à-dire le premier à deux. Donc, pour l'instant, il y a un zéro, parce que je l'ai complètement... Il y a eu no match, il n'y a pas eu de match quand je l'ai défoncé avec mon deck prêtre. Cette blague. Alors, c'est vrai que... Attends, elle copie mon deck. Je lui ai tout. Elle pique. Elle copie mon deck. Je sais aussi. On a fait au tour 10. On a fait Okenai, Reynaud Jackson. Bim. Moins 30 PV, on a gagné. Je suis né tout de suite. Ça c'est fort, putain. Ça c'est fort aussi parce qu'on va pouvoir faire tac 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 tac. Ok, là on pioche. On pioche la carte qui nous permet d'insta-win. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. C'est l'instant putaclic, comment ça? Merci de nous rejoindre. Oui, Louis, c'est à cause de la lettre O, ça. Ça va rester la lettre 0. J'ai dit la lettre 1, la lettre 0, mais c'est pareil, lettre, chiffre. Vous êtes tatillon. Ah! Je vois que madame s'y connaît en connaissance. Ah, j'ai les deux en main. S'y connaît en connaissance, ouais. Se rejoignent. Ouais, ouais, alors là on va être un peu. On est pas loin de l'overdraw. Pourquoi faire ça? Comme on est pas loin de l'overdraw, on va vraiment s'overdraw jusqu'au bout. Parce que normalement on peut pas le gérer. À moi en fait, si elle le gère, ça veut dire qu'elle utilise une bombe de matière noire ou un feu de lame. Ou un Hellfire. Bon, Hellfire serait chiant, mais. Oui, je parle de tes plays, mais je considère que c'est des plays suffisamment basiques pour que même toi puisses les comprendre. Donc, et qu'elle ne se mettra pas sur la tête. Non, c'est un 0, c'est pas un haut. Ah ok, mais pourquoi jouer ça en fait? Pour jouer avec l'acolyte de la souffrance? Je sais pas. Oh c'est... Oh ben justement, on parlait de l'acolyte de la souffrance, le voilà. Merci. Ça me permet de piocher. C'est bien aimable à toi de me faire piocher. Parce que là elle a 18 cartes dans son deck, mais on en a plus que 16 et on a beaucoup de moteurs de pioche dans la main, on va bien lui niquer ça. Surtout qu'on a cette combo là, qui nous permet d'être très très bien. Le problème c'est que Bran on va pas le jouer tout de suite. Bon je viens de lui dire que j'ai Bran, c'est pas grave parce que là, sinon on va vite sauver Drew. À partir du moment où on pioche deux cartes avec l'acolyte, c'est bien, j'estime. Et si elle le silence, c'est bien aussi. Ah, elle le joue! Parce que je l'ai fait comprendre. Sauf que, bah voilà. Tu lui as fait comprendre, pardon. Non, merde! J'ai misplay.
J'ai mis play, j'ai mis play, j'ai mis click, j'ai mis click comme un connard. Oh, j'ai mis click comme un connard. Je voulais jouer la 4-2 au lieu de jouer la 2-4. Enfin, je voulais jouer le BGH au lieu de jouer Bran. Oh mon dieu, elle a pris un... elle a pris beaucoup d'avance. Non, elle a pris 4 tiers d'avance. Ouais, je mixe les streams, je mixe les voix. Viens vous voir pour assister à la défaite cuisante de Louis. Vous allez voir. Parce que j'ai tellement de moteurs de pioche dans la main qu'elle va tellement pleurer sa race. Ok, elle pioche aussi, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on a déjà les cartes qu'il nous faut en main, donc on s'en fiche de sauveur draw. Si elle joue le deuxième saccage à gagner, par contre, ça peut être trop lourd. Bah, les steaks. Ah, très bien. Parfait, nickel. Très bien, elle perd le deuxième saccageur. Oui, bon. Ah merde, mais elle aussi, elle l'a pioché deux fois, j'avais oublié le mongol. Mais regardez ce qu'on va faire. On va mettre ça là. On va suicider. Non, pas suicider. Nous, il nous reste plus que 3 cartes aussi. On va mettre tout ça, et on a beaucoup de dégâts, donc on va gagner aussi, je pense. On va gagner, on va gagner. Ne vous inquiétez pas, on va la défense. Ne vous inquiétez pas, on va la défense. Allez, j'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire, j'en fais ma petite affaire de campagne. Ça ne veut rien dire. Allez. Possibilité. Non, 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 non. Non, je suis désolé, tu peux pas faire ça. On va mettre ça, et on va tout de suite... Est-ce que vous avez, comme moi, ce sentiment intime que Haru est assez bas en PV? Moi, c'est un sentiment qui me taraude. On va tout de suite arranger ça. Mais avant, on va piocher notre race. On va faire ça, 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 ça. Et normalement, c'est quasiment win, je pense, en faisant ça. Putain, elle prend tellement de fatigue. Ah la relou quoi. Ah la goudou. Ah t'as encore la pièce ou quoi? Allez, allez, on clique sur tout. On va faire du tour. Voilà, alors on va faire. Oh, encore mieux. Ensuite, on va faire ça. Et on va faire ça pour qu'elle reprenne un petit peu des PV. On va la heal de 10, ça me paraît bien. Ok, elle est déjà très avancée dans la fatigue, mais c'est pas grave, parce que nous on a beaucoup de moteurs de pioche encore. Surtout que si, hein, tac tac. Voilà. Je pense qu'on peut la win, honnêtement. Enfin la lose, enfin la win. Malgré tout le club féminin, Sun Geek, machin... Qui encourage à dessein Haru pour faire une tentative de déstabilisation sur ce qui semble être un plébiscite pour me voir porter à la présidence de l'assaut peut-être, mais du monde et de la France. Voilà. D'accord, mais tu n'as pas de serviteur, Haru, tu le sais. Non, parce qu'elle n'a pas compris, je crois. Là, elle va commencer à prendre cher et ça va me péter les fesses. Donc déjà, on va la heal un petit coup de 6. On va la heal de 6. Est-ce qu'on la healerait pas de 6 un coup? Est-ce qu'on ferait pas ça, regardez. Ça pour piocher. Là, on va prendre 6 dégâts. Mais on a gagné en fait. Ah, mais on a gagné, j'avais pas fait gaffe, on a l'étal. Ben voilà. Et en plus, on avait le feu de l'âme en main. Ah, c'était rondement mené, je n'ai pas douté un seul instant. En plus, je gagne de l'expérience. Alors, on peut mettre. Nao, il t'a appelé machin. Oui, alors non, j'ai. Peut-être. Ça part en taverne brawl ou ça part pas en taverne brawl? Tu veux ta revanche peut-être? Non. Allez, 2-0. Taverne brawl BO1? BO1 ou BO3? BO1. Je soutiens juste que moi, je ne regarde pas Talk et Marmotte à longueur de journée. Okay. En me touchant devant. Non, parce que j'ai un enregistrement de toi. Tu l'as enregistré? Tu l'as enregistré? Alors, c'était à prendre au second degré, bien sûr. Non, non, mais... Voilà, on va balancer un peu des dossiers. Ah oui, oui. Parce que moi, j'en ai des dossiers avec des... J'en ai des dossiers aussi. Ouais, ouais, oui. Ouais, mais j'ose pas les dire, parce que c'est le genre de dossier, si je l'ai dit, je vais tellement me faire virer. Bon, allez, fais ton deck pour le bras de fer pendant ce temps. T'as commencé au moins?
Mais bien sûr. On a tellement. J'ai les dossiers, mais je sais tellement pas les balancer. Je vais pas les balancer. Je vais les mettre sur Skype. T'as Skype d'ouvert ou pas? Non. Non. Merde. Putain. Je peux les mettre sur TS? Oui. Regarde, ce genre de dossier par exemple. J'ai peur de ce que tu vas dire. Voilà, genre ce genre de dossier. J'en ai plein. Non, j'oserais pas. Je le dirais pas. Mais non, parce que. Tu fais pas ça. Non, je le dirais pas. Je te vire, là, pour de bah oui, je sais. Mais moi aussi j'ai des dossiers. Ah bah là, je sais que je me fais kick direct, hein. Enfin, ça dépend ce que tu dis. Il y a des choses qui peuvent être éventuellement. Je raconte la fois où on t'a retrouvé dansant nu en mangeant des carottes râpées. Non, ça c'est pas vrai. Bon, allez, pendant ce temps, je cherche des dossiers que je peux raconter. Allez, pendant ce temps, tu fais ton mec. Parce que j'aime beaucoup Talk et Marmotte, c'est vrai. J'ai d'ailleurs fait de très belles interviews au sujet sur la chaîne Dailymotion de Cooldown. Je déconne. Enfin, si on juste interviewé, mais c'est pas très beau. Je déconne. Donc voilà, non, donc j'aime beaucoup Talk et Marmotte, c'est vrai. Surtout Talk, en fait. Donc comme j'avais. Il m'arrive de dire, ah ouais, attention, parle moins fort, je regarde Talk, j'ai le zizi tout dur. Mais c'est pour la beauté du jeu. C'est pas Talk qui me peut avoir le zizi tout dur, c'est la beauté du jeu. Tout à fait. Tout le monde le sait. C'est moi, tu te fous un peu de ma gueule. Là, 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 là. Pendant que je viens d'apprendre que j'étais officiellement dans la réserve des volontaires de l'Euro 2016, je serai donc bénévole pour l'Euro 2016 en France, à Paris. Donc si vous allez au stade, vous pouvez me croiser. Je vais faire une blague sur le fait qu'ils te mettent en réserve, mais je vais rien dire. Ouais, parce que je suis une grosse merde, c'est ça. Parce que je suis trop jeune, j'avais même pas 18 ans. J'avais même pas 18 ans quand j'ai passé l'entretien. Normalement, il faut déjà avoir fait d'autres événements sportifs, ce que je n'ai jamais fait. Alors. Notre équipe est très sensible à votre investissement, et bien que cette situation intermédiaire n'est pas les plus aisées, nous vous reversions infiniment de la confiance que vous portez au programme. Putain. Ça c'est comment passer... Tout passer ? Comment tout passer nos couches ? Et le message est bien personnalisé. Monsieur Jean-Jacques Perroni. Grave. Bon, tu me dis quand t'as fini, hein. Ouais, j'y suis presque là. J'arrive. I'm coming. Bon, alors moi j'allais me faire à manger en attendant. Un truc un peu fun. C'est quoi? Bah je sais pas, moi je fais le taverne brawl en fait, mais... Ouais, moi aussi. Mais je mets des trucs fun, sinon c'est pas marrant. Oh, moi je mets un truc pour gagner en fait. Ah ouais, toi t'es comme ça. Genre ça, ça et ça c'est tellement fort. Ça aussi, évidemment. Ça, je crois qu'il est en train d'essayer de... L'individu semble tenter de communiquer quelque chose avec moi. L'individu semble tenter de communiquer. En fait, il faut que tu... L'autre fois qui était genre de 1759 là. Je sais plus ce que t'avais dit mais ça m'avait choqué. En fait, il faut que t'ailles dans le menu principal pour que je puisse te défier quand t'as fait ton truc. C'est dans le menu principal ou pas? Non, parce que j'ai pas fini mon deck. Putain. J'ai pas l'individu lambda, susnommé. Ouais, susnommé, voilà. Putain. Elle a eu peur quand elle a entendu la première syllabe à mon avis. Envie de voir notre présidente Arwenia Cooldown donner une leçon à Louis Tofu sur Hearthstone. Pour l'instant, il y a 2-0, mais bon. Ah ouais, elle fait un deck de 800 cartes, effectivement. Elle fait un deck de 800 cartes. Bah, pour le Tavern Brawl, oui. Pour le Keeper Pair, non. Le Keeper Pair, ça me faisait très envie de perdre en gagnant et de gagner en perdant. Ah, j'étais défié pour un bras de fer. J'accepte, et là, je prends la pause. J'ai pas besoin de retourner au menu principal. Non, mais c'est parce qu'elle est nulle. Ouais, je fais un deck de 800 cartes pour être sûr de le défausser. Mais elle joue Rexar, mais c'est tellement le deck de tes morts, Sophie. Alors, ça se met bien. À mon avis, elle a pas compris. On est plusieurs, Renix, en moi. À mon avis, elle a pas compris le principe du bras de fer. Enfin, ça m'étonnerait pas. Ensuite, on ira faire une arène sur le compte d'Arway, si vous voulez. Non, ensuite, j'ai un autre concept ensuite. Je note. Oh là là. Oui, un concept. Attention. Alors, à chaque fois que tu joues une carte. Tu enlèves un vêtement. Alors ça c'est très con. Ça c'est très con parce qu'en fait, quand son serviteur va subir un dégât, il va mourir de manière instantanée. Je crois qu'elle n'en a pas conscience. C'est comme, je suis tombé sur un mec qui jouait le maître lame blessé dans ce bras de fer. Donc il joue la carte, qui passe à 1 PV, qui s'en fiche 4 dégâts. J'ai pas regardé ce que c'était. T'as pas regardé le bras de fer? Non. T'as, elle met un an pour faire un deck, elle a pas regardé le bras de fer. Mais attendez, mais si elle avait regardé, ça aurait été quoi? Bon, bah là elle est clairement... Bah oui, non mais c'est... Bon bah là c'est même pas intéressant de gagner, enfin qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Sur ma liste tech, on... T'étais censé me dire ce que c'était, hein, droit de faire. Mais c'est marqué en gros, normalement. Parce que là, toutes tes cartes coûtent 1 et on... On va te taper sur les noix de coco. Coco ! Moi, c'est toutes tes... Toutes tes cartes ont 1 mana et coûtent... Enfin, coûtent 1 mana et sont 1-1. Donc ça sert à rien de jouer Garzilla. C'est comme si le mec qui me jouait le maître l'âme blessé qui était insta-décédé. Il paraît qu'on découvre en harmonie à la personnalité très colorée. C'est tout à fait possible. Oh, ça c'est fort. Parce que tu sais, la grande crinière des savanes, c'est assez fort dans le match-up. Elle m'embête un peu. Ça te dérange si... Alors, par principe, moi je dirais que tu joues que des decks bâtards. Ah, je joue que des bons decks. Là, si Hospice Funeste, ça m'embête un peu. Non. Mais non, je joue juste un deck de tes morts pour gagner le bras de fer, quoi. Bon, là, je pense qu'on peut dire, les viewers, que c'est plutôt in. Mais l'autre concept va remettre les trucs à égalité. Alors, toutes les cartes coûtent 1. Ah non, même pas en plus. Donc, l'Aigle du Roi, en plus, qu'elle est en golden, évidemment, payée avec l'argent des abonnés. Lâcher les chars, c'est chiant. Ça dépend ce qu'elle en fait. Là, en fait, elle a moyen de faire un truc très très intéressant. Bon, ok, elle va partir là-dessus. Mais elle avait moyen de faire un très bon play. Là, je me demande si c'est pas un peu trop tard. Non, c'est pas trop tard. Elle peut encore faire le play si elle réfléchit bien, ce qu'elle est incapable de... Ah, punaise. Ça fait plaisir de gagner ça. Parce qu'en fait, le gagnant du match en 3 points, donc là, il y a 2-0 pour moi, devient président de l'association. Bien sûr. Bien sûr. Dans tes rêves. Allez, va manger ton kebab. Ah oui, je dis ça à chaque fois, j'adore cette expression. Hello. Alors là, elle a complètement pas fait le play qu'il fallait. Parce qu'en fait, si elle tapait dans l'avorton tremblant, plus la grande crinière des savanes, ça détruisait les repop parce qu'il n'y avait pas la place. Ah, tu n'avais pas vu venir celui-là. Non ? Je ne m'abaisserai même plus à te répondre. Bon là, on va tout boffer pour qu'elle évite de faire le play, puisque maintenant, elle en est au courant. Et donc elle détruisait les repop, ce qui était un play de niveau 25. Alors aujourd'hui, je suis... Non mais je suis niveau, t'as vu quel niveau je suis? Bah plus que 25, même si apparemment t'as payé quelqu'un pour arriver au niveau 19, que t'as dû payer très cher. Mais je suis le génie tout court en fait. Ah ça c'est relou. Est-ce qu'elle va avoir l'intelligence de faire le play que j'ai dit il y a 30 secondes? Je n'en suis pas tout à fait convaincu. À tout moment, top deck Nova Sacré, on lui défonce sa race. De manière instantanée. Attends. Bon, j'écris très mal, mais c'est pas grave. Est-ce que ça passe si j'affiche ça? Louis, plus Louis supérieur à Arwe, c'est bon, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu, c'est bon. On va faire ça, parce que c'est bien, on va se soigner. On va taper ça. On va dire que t'as pas l'étal et on va taper. On va faire ça. Je suis confiant. Comme j'ai déjà dit, de moult reprises. Cette condescendance de Louis, mais non. Tu m'as donné faim, vous. Moi, je dirais Louis. Enfin, ah ouais, ouais. Bah, pas sur Hearthstone en tout cas. Ça me fait plaisir. Non, mais en fait, elle a mis un an pour faire un deck, mais elle avait pas lu les règles du bras de fer, donc je comprends pas pourquoi elle a fait un an. Non, si tu fais hors de tuer, je te défonce ta race. Non, si tu gagnes sur un an, tu peux pas, t'appelles l'étal. C'est bon, on est safe, on est safe. En fait, ça m'oblige à tout clean. C'est pas grave. Ah, très bien. Ouais, ouais, j'avais compris, j'avais pas compris. Ouais, ouais, j'avais compris. En fait, si je pose ça, ça l'empêchera de... Mais tu me tues, bouffon! À quoi je veux dire que tu mettes ta provoque? Ah, mais le boulet, quoi! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus la place que la provoque pop? Ah oui, j'avais même pas regardé les PV en fait. J'avais même pas regardé les PV, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, faire la pub de la TV Mad Corps, c'est pas obligé, mon petit Galaxian. Ça mérite presque un bad. Bon, allez. Je vais mettre le score à jour. Allez, allez, allez. Mais en fait, j'avais pas regardé les PV. Alors, on va faire un truc très sympa, mais si tu veux encore dire que c'est un truc de riche. Oh mon dieu, je suis morte, tu m'as tué. Je peux te faire confiance ou pas? Prends la classe de ton choix. Ok. Ou d'ailleurs, essaye d'en prendre. Juste pour une partie. Ouais, le mieux c'est de la prendre aléatoirement. Ok. Ok. Donc tu regardes pas trop, je vais comme moi. Bah, je bouge ma souris. Puis voilà. Là où ça m'arrête. Ma souris. Là, tu vas cliquer sur. Tu vas cliquer sur suggérer une carte et tu vas prendre la carte du milieu à chaque fois.
Donc Ça marche. tu fais le deck que le jeu te donne en fait. Que Blizzard. Et tu prends la carte du milieu, hein, tu regardes pas, tu fais pas genre je regarde. Voilà. Ok, prends Donc la carte du là, milieu à chaque fois, pas de on a soucis. grosso modo un deck de tes morts. Tu sais, on a un deck avec Ragnaros, Xyzera, Alexstrasza et Docteur Boom. Non, je déconne, je sais pas tout. Ok, donc le deck ça va assez vite, même pour Arwen normalement. Attends, j'ai le rename random. On a dit celle du milieu, hein, tout le temps. Oui, ou celle de droite si t'as choisi celle de droite, je sais pas moi. Tu regardes pas trop, tu fais comme moi, ou je te vois bien fixer l'écran moi. Oui, non, mais tu regardes pas. J'ai fini. C'est une geek. Ah merde! J'ai Oui, non, mais oh! fini. C'est pas toi qui dois host le stream et contenter un Stade de France tous les soirs. Bon. Contenter un Stade de France, mais mon Moi, gars, je tu remplis. sens plus que t'as dans le Moi, je cul. remplis Furiani, moi, madame. Mon Mais Furiani, bien c'est pas le Stade sûr, de France. oui. Bon, allez. Oh, attends, je meurs. Mais je m'en remets pas. En fait, elle a dit qu'elle était prête, mais elle accepte pas le défi, hein. Ah, c'est bon. Non mais je m'en remets pas de ton truc. Bon alors attends, je vais mettre ça pour mettre mes provoques pour pas qu'elle nous tue Mais maintenant. Parce que j'ai un j'ai même pas fusil regardé tes points de vie en à pompe, fait. mec. J'ai même pas regardé tes points de vie, mais ça on s'en bat les Non, steaks. par contre, tu te rends compte que si j'avais eu un truc de plus, t'étais mort. Oui, mais c'est complètement con. La fois d'avant où j'avais 30 PV, si t'avais eu 30, 30 dégâts en plus, j'étais. Je me suis trompé deck. Je me suis trompé deck. Ok, c'est pas grave, j'aurais pu gagner quand même. On la laisse concede. Dans ce cas-là, c'est toujours celui qui s'est trompé qui concede. Non, c'est toi qui concide. Je viens de perdre 3 fois d'affilée. Ok, mais ça reste à 3-0. Voilà, vous m'avez vaincu. Ça reste à 3-0. Les viewers sont J'avais mis témoins. un petit screen de vous m'avez vaincu. Ouais, c'est pas grave. Moi j'ai la VOD, moi. Moi j'ai la VOD de toi qui te trompe de deck. Ok, c'est bon. J'ai pris le bon là. Elle se gourre sur un deck random. Alors que UHU vient d'attaquer le rang 5, vous lui dites bravo. Et sinon, UHU, il est collé ou pas? Pardon. Je sais pas, mais en tout cas, il a fait un tube. Le mec, il assume pas qu'il a failli se faire niquer, mais si j'ai. D'ailleurs, tu me parles pas comme ça, Fungeek. Hein. Ça se réglera sur Star Wars The Old Republic ou sur le MMO surprise de demain. D'ailleurs, demain, ce sera peut-être pas un MMO. Oh, la main de départ de fou! Donc là, on rappelle, on a pris un deck totalement random, ce qui explique que bon, ok, les deux cartes de droite sont jouées, mais la carte est jamais jouée. Ok, j'ai 6, 7, 8 dans ma main. Oh non, moi, c'est curvé quand même. Alors, cette carte n'est jamais jouée, normalement, celle que je pointe. Bon, Arwen avait cru bon de la mettre dans son deck tout à l'heure, mais normalement, elle n'est jamais jouée. Ouais, mais moi je suis comme ça, tu vois, je fais découvrir les Elle est petits nulle! espaces touristiques. Donc, comme on est gentil, on va la PL après. C'est-à-dire qu'on la prendra sur Skype et on va faire une arène et en On gros, la bon. prendra sur Skype, oui, bien sûr. En partage d'écran, oui, on la prendra grâce à Skype. Donc là, j'ai une des meilleures cartes du jeu en version dorée, s'il te plaît. Que je ne joue pas maintenant. Je vais jouer l'aventurier en pleine quête. Parce que là, le but c'est de gagner, hein, par contre. Donnez-moi une quête. Là, le but c'est de gagner, t'as compris? Ah non. Parce que ça se trouve, le Tavern Brawl, elle croyait que le but c'était de perdre, je sais pas. Le but c'est de gagner là. Non mais j'ai un deck horrible. Ah ouais. Alors que moi j'ai un deck tellement merdique. Ah oui, effectivement, le jeu s'est bien foutu de ta gueule. Mais Blizzard me troll, c'est bien connu. C'est vrai. Yeah ouais mec, Blizzard me troll. Non merde, on va pas faire ça, c'est nul. On va faire ça. Et ça va tuer ma carte. Non, je déconne. Parfait. Le manque de respect total! Les faux diront RNG, les vrais savent que je conduis les cartes. Non, les vrais diront. Non, m'a battu, il m'a pas battu. On est tous à rien. C'est tout. J'ai même pas peur, faut bien que je Oh me my venge un peu. god, OMG. oh my god. Prends Sun sur HS, pourquoi attendre demain? Parce que Sun n'a. Bah oui, mais sur mobile, ça compte pas. Non, mais j'ai la défense. Oh, le pauvre silence! Oh, j'ai mal à ma France. J'ai mal à ma France, j'ai mal à ma République. Le Djinn, même les decks Djinn sont pas viables, donc un deck qui est pas. Donc un deck qui est pas très moi, tonique? Djinn je préfère tonique? le pantalon noir, tu vois. Non, parce que Djinn tonique, ah oui, j'avais fait la blague sur tonique, c'était mieux. Non, ouais, non, ouais. Alors Sen, tu fais encore un commentaire de ce jour et je peux te dire que l'histoire des boulettes, ça déboule. Oh, ça combatte! Ça combatte! J'aurais jamais cru que ça combattrait. Hein? On en parle de l'histoire des boulettes? Non. Ok. C'est un deck totalement random, je le ramène, je le rappelle. Je me sens sale. Passé entre les mains de Louis-Tofu. Oh, c'est rigolo ça. Oh, ça c'est MDR ça. Comme elle risque de le copier, on va mettre ça. Il y a aussi une entité miroir. Il a combien? Il a 2 PV donc ça sert à rien, on va plutôt faire ça. Donc c'est ni une entité miroir, ni une effigie. Bon, c'est une vapeau. Okay.
c'est un deck random, je te rappelle. Oui, je. Non, oui, je sais. Au prochain tour, on va faire ça, ce qui va nous permettre d'insta-win, ou pas. Je t'ai détruit ta vie, je te jure. Le nombre de menaces en l'air que je reçois de cette personne, et d'Arwe aussi, c'est hallucinant. Moi, je demande qu'une chose, c'est que vous me défoncez. J'ai rien fait, moi. Ah, tu l'as en golden. Je vois que ça paye d'être présidente de cooldown. Bah, c'est surtout la carte qui sert à rien, quoi. C'est vrai. Elle est bien, l'animation est bien. J'en fais profiter les viewers qui n'ont pas les moyens de se payer des cartes dorées, effectivement, elle est bien. Je commence à avoir faim, dis donc. Ouais, du foie gras, s'il te plaît. Avec du orinard. Non, je ne le veux pas. Attends, mais c'est quoi? Elle joue en deck de construit en random. Bon. Je peux pas faire la combo ultime de ta mère. Mais je peux faire un bon truc quand même. Bah, fais ta grand-mère. Oh! Oh, ça se met bien. J'avoue que ça se met bien. Oh là là, mais c'est un sketch, ça. Oh. J'avoue que ça se met tellement bien, quoi. Ça se met tellement bien qu'on va faire ça. What? Non! Non! Mais putain, mais t'as couché avec Blizzard, t'as fait quelque chose là? Non mais attends, regarde, la folie de l'ombre s'est lancée sur le djinn des Zephyrs, donc il va te revenir. On l'enverra à Trolldance, ça. Je pense. Non, ça lui est pas revenu, j'ai eu peur. En fait, mais ce sketch, quoi. Ça a copié le fait qu'il m'appartenait jusqu'à la fin du tour, donc j'ai eu peur qu'il retourne. C'est une mascarade. Une mascarade, y'a pas d'autre. Qu'est-ce qu'est la mascarade? Ton niveau Hearthstone? Mais non, toi. J'ai envie de dire, ça résume bien la résumation. Hein. Excellent, excellent. Ah, c'est un méca, ça, je savais pas. Bon, en même temps, j'en ai pas une utilité une cliente, mais... Étant donné que j'ai pas de légendaire dans le deck. Mamia. Là, on attend qu'Arwe joue avec un deck random, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de jeu, normalement. D'accord. Il n'y a pas de plan de jeu, j'ai des cartes de merde, bien. Oui, bah... Je passe. Bah, que tu joues comme d'habitude. Ouais, bah ouais. On est dans l'expectative la plus totale. Me dis pas qu'elle ping la 4-5. Bon, ok, elle a un Flame Strike. Merci Arwe, c'est gentil de nous le dire. Sauf que moi. Je peux faire. On échange les decks si tu veux, tu vas voir ce que j'ai. Sauf que moi je peux in ma carte, donc c'est un ping, un point perdu. En plus, si elle fait le Flame Strike, en fait, il me reste une 4-6 et une 2-1 qui pop. Donc j'en suis foraise. Fortaise. Nous avons une mienne bien garde. Un giveaway se vendange tardi avec le foie gras, c'est vrai. Sûrement, ok. On va faire ça pour la mettre en difficulté un peu plus qu'elle ne l'est déjà. La torche oubliée face, tout à fait. C'est bien entendu le signe d'une fébrilité croissante. Hein. Fébrilité, tu vois pas les cartes que j'ai dans la main, quoi. On va tellement lui chier dessus qu'on va faire ça. Oh, oh, le respect a disparu. Comme ça, alors qu'on sait qu'elle joue Flame Strike, c'est un peu comme si on lui faisait un bras d'honneur. Ce qui, à son supérieur direct, -1 comme dans le milieu, ne se refuse jamais. Attends, il y a ma chaise qui est en train de se. Il y a ma chaise qui est en train de se péter la gueule, je vais tomber. Ma chaise à tout instant peut casser. Bon, ça fait des semaines qu'elle est pétée, mais là ça prend une tournure toute différente. D'accord, elle joue le Zazar. Hop! Je vais encore te mettre 2 dégâts. Ah, 4 dégâts même ce tour-ci. Ah non, 2 parce qu'il va être gelé, je suis con. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il soit gelé alors qu'il n'a pas pris les dégâts, c'est même très relou. J'ai quand même pas utilisé cette carte là-dessus, hein, on n'en est pas encore là. Bah, moi j'en suis là. Non, j'en suis pas à mettre contrôle mental sur ta 0-2. Mais moi je suis en fond du trou là. Allez, on lui chie dessus ou on lui chie pas dessus? Allez, regarde, regarde ce qu'on fait. Tellement pour lui montrer qu'on la respecte pas. De respect, toi. Là. Après, on va l'appeler parce qu'elle le mérite. Hein. En fait, non, j'ai peur que la qualité soit beaucoup trop dégueulasse avec Skype. Le partage d'écran. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Pour la constitution du deck d'arène. Ouais, alors, un truc. Arrête de me dire tu comprends ce que je veux dire à chaque fois que tu parles. Non mais... J'ai l'impression que tu me prends pour une... Bah oui! Mais je te connais bien, c'est pas pareil! Enfin, je vais me dessiner sur la main avec mon stylo. Ouais, parce que j'ai pas de respect sur le murloc, charge. Ouais, ok, bah les steaks. Bah les steaks, l'expression de Louis Touf Touf. Oh! Comment je te... Regarde. Oh le... Oh l'absence de respect. Ah, mon dieu. Oh l'absence de respect. Oh l'absence de respect. Le robot d'alarme golden, board full golden. Attention, robot d'alarme golden que j'ai obtenu il y a pas longtemps avec Maligo, c'est une épique dans mon booster, j'étais complètement content. Team Viewer est bien pour le partage d'écran, même pas besoin de l'installer. Alors Peter, tu vas fermer ta bouche. Je vais sur le site Team Viewer à l'instant présent.
Contrôle à distance, c'est bien ça. Alors attends, parce qu'en fait, il y a ça qui va pas au prochain tour, et voilà. Nous, on est à 27 PV. De son côté, je sais pas, mais nous, on est à 27 PV. Oh, bah j'en ai 21 de moins que toi. C'est nickel, je me sens au poil, là. Tu pourras faire pop mon secret, s'il te plaît ? Merci. Bah ! Je te ping ! Balestek. Non, mais t'es sérieux là ? Non, mais c'est une blague ! Non, mais ton jeu, c'est une mascarade là. Le mec, il y a pile poil le truc, il faut qu'il te pop. Mais non, mais j'avais forcément. Alors, donc c'est sûrement un counterspell. Juste, qu'est-ce que ça permet de faire ? Je vais mourir. Donc j'installe TeamViewer, ok. Je suis en train de l'installer. Oui, je vais prendre le contrôle du PC de Louis Douf-Douf. Parce qu'en fait, j'ai pas la capture d'écran de Chrome serait dégueulasse. Bon là, à mon avis, c'est un bloc de glace, mais ça, je m'en fous trop bas les steaks. Allez. Non, tu voudrais pas tuer une de mes créatures avant, s'il te plaît ? Ça sent l'effigie. Non, attends. Je vais pas attaquer avec la 5-6, promis. Allez, hop. Merci, au revoir. Allez, mais... C'était top deck ? T'aurais pu me tuer une de mes créatures, quoi ? C'était top deck, c'était gratuit. C'était franc prix. T'es sérieux ? TeamViewer en train de s'installer ? Alors, tu vois, moi, j'ai juste un truc à dire. Ouais ? C'est, tu n'as pas du tout le goût du jeu. Ah oui. Parce que t'aurais voulu jouer, t'aurais mis ta 6 dans ma furie des vents, direct. Et pourquoi, il y avait quoi qui popait ? Bah mon effigie. Et, mais oui, mais t'aurais pas, tu voulais un taunt. Mais je voulais juste mon effigie. Hop, c'est, on... c'est le jeu, 4-0. On a pas voulu 7. Allez, 4-0. TeamViewer est-il installé ? Normalement oui. Est-ce que tu l'as toi, Arwe, ou pas ? Non, mais je peux le mettre si tu veux. Pendant ce temps, on fait une dernière game en quoi ? En bras de fer ? Non, bah non, parce qu'il va falloir que tu fasses un vrai deck, putain. Déjà, quand elle se fait un faux deck. Oh, oh, le chat qui est en train de te défoncer. Oh, le chat qui te manque de respect. De quoi, quoi? Qu'on fasse cette... Mais la prochaine fois que je te vois, même pas. Alors là, tu rentres pour rentrer dans le hub. Que cet homme devienne modérateur. Mais attends, je l'ai pas dans mes contacts, Coyote. Ah, j'ai été persuadé que si. Mais TeamViewer veut pas se lancer chez moi. Je l'ai installé, mais ça marche pas. Même pas ton intelligence. Pour l'instant, je vais faire une partie. Si, c'est bon. C'est bon. Je vais faire une partie avec mon deck contrôle pour bien lui montrer à quel point on la défonce. Pendant ce temps, de quoi ? Bah, pendant que t'installes. Bah oui. Non, mais j'en ai pour pas longtemps, hein. Moi, j'ai pas ta connexion. Mais attends, je vais pas faire du contrôle à distance, moi. Si, c'est ça ? TeamViewer, ça va non, être pas. Mais on fait pas ça ? On fait réunion, oui, c'est ça. Pourquoi, non, on fait réunion, pardon. On va faire réunion avec TeamViewer. Et c'est qui, Team ? Ta mère en slip. Oh, on avait dit pas les mamans. On attaque pas les mamans, ok. La version complète. Abusé. Pour Windows. Téléchargé. Bon, on n'a pas la main, on n'a pas la main parfaite, mais au Sénat là, hein, de la République, on va tellement lui défoncer ses mains. Ouais, bonjour, bonjour. Ouais, t'es sérieux, t'es parti en partie là. T'es parti en partie. Bah oui, le temps que t'installes TeamViewer. Je vais rechanger le titre. Je te le dis. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Ah si si, je vais y aller. Ah non, non, non. Non, 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 non. Attention, je le changerai derrière, je m'en bats les steaks. Je m'en contrebats les steaks. Ah, il s'en rebat les steaks, le steak les retours. Il n'y a pas moyen de créer une réunion, bordel. Ah, là, 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 là. Ah si. Putain, on peut organiser une réunion. La jeunesse, tout est perdu, mon petit. Surtout ta mère. On a dit pas les mamans. C'est vrai. Oh, il a copié. Oh, il a copié le godin. Oh, le godin, il a copié. J'avoue que ça me met un peu dans la merde, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on peut tuer un petit feu avec le heal. Ah si si, on... j'étais bien. Je me disais bien aussi que parfois je te voyais connecté. Pour me défendre, Coyote, je ne dirais qu'une chose quand même. Hein. Voir c'est que t'es connecté. Lui m'a prévenu hier qu'il fallait que je l'aide sur un stun. Et j'ai dit, bon, ok, je ferai exprès de perdre. Non. Oh le mytho. Oh le mytho. Oh le mytho. J'ai mal à ma France. Si si, mais je peux trouver l'enregistrement. Il est venu me voir, il m'a dit tu comprends. Ouais, je suis en train de jouer comme une grosse merde. Attends.
va y avoir tout le monde. Faut... Ouais. Tu sais que j'ai coupé ton son là. Tu sais que j'ai coupé ton son. Ils t'entendent pas. Ah non, j'ai coupé ton stonk. J'ai coupé. Ah oui, elle est en train de se vénère un poil. Je vais remettre son son. Non. Allez, c'est bon, on t'entend de nouveau. Cet enfoiré, j'y crois pas. On a même plus la liberté d'expression. Ah bah non, la liberté d'expression, je m'encontre Carl Fion. Tandis que je suis en train de me faire ratatiner par mon adversaire, vas-y, je quitte. J'avoue, couper le son d'Arwes, c'était bien drôle. Coupe pas son son. On n'entend même pas quand en plus, tu... En plus, j'étais en train de dire un truc super intéressant. Ah bon, vous l'entendez pas, Arwes, là? Attends, ferme... Bah non, ferme pas ta bouche pour qu'on puisse savoir si t'entends, mais... Vous l'entendez pas suffisamment? Ah, vous entendez pas, Arwes? Putain, mais c'est maman. Au bout d'une heure et demie de stream, les gens se manifestent, on n'entend pas, Arwes, bah bravo. Vas-y, j'ai encore monté son son. Parle, 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 de ouf. Parle, 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 de ouf. Voilà, 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 voilà. Bon. On va faire un bras de fer en attendant qu'Arwes installe TeamViewer. Hein. Alors, ça fait à peu près une heure et quart que je gueule et que personne m'entend, en fait. Bah, ils sont tellement cons qu'ils l'ont pas dit avant. Attends, j'ai baissé un peu mon micro. Voilà, j'ai baissé... Manque de respect. J'ai baissé de moitié. Est-ce que c'est mieux, là? Mais si vous le dites maintenant, les gars... Mais hurlement, mais attends, je vais le faire, là. C'est hurlement. C'est pas, à mon avis, c'est ma présence qui l'a mis dans cet état. Oui, je vais te défoncer. Bon, allez, joue plutôt. Ah non, je... J'ai encore beaucoup baissé mon micro de moitié à chaque fois. J'ai baissé de 80% là. Et c'est le moment où je vais hurler où ils vont m'entendre. Je suis en train de l'installer. Ok. On me l'a dit hier, mes fesses et tes fesses, elles te l'ont dit quoi hier? Qu'est-ce que ta mère elle dit? Voilà, blabla. Attends, j'ai tellement baissé mon micro là que normalement c'est bon. Dites-moi si c'est bon maintenant ou pas. Bla 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 bla. Non mais en fait ils m'entendent encore moins bien que tout à l'heure. Mais t'es un boulet de la config en fait. Je comprends pas pourquoi en fait. Je comprends pas pourquoi. Attends, c'est pas comme si vous perdiez quelque chose, mais quand même, ça m'embête. Pendant que je fais mon petit bras de fer. Attends, c'est quoi le titre du stream là à l'instant présent? Le titre du stream? En plus, il continue de me troller alors qu'on m'entend même pas. Comment ça, je te troll? J'ai fait misplay comme un connard. Comme d'hab. Voilà. Mais là, vous pouvez pas dire qu'on l'entend pas normalement. Le chat est absent chez moi, mais. Le chat est absent de chez moi, actuellement. Pourquoi je ne peux pas installer TeamViewer là? Parce que t'es moche. Ah bon. Ouais, comme toi. On est de la même famille. Heureusement que non, parce que moi, moment, j'ai pas du sang animal. Oh, c'est pas en. Oh, l'enculé, il se heal. Ah, 36-15, blague pas drôle. 36-15, ta mère. On avait dit pas les mamans. C'est vrai. Trois fois. Ah oui, c'est vrai, zut. Oh, la fin du respect est présente là. Bon, ça, on va pas s'en servir tout de suite, mais. Non, mais ce serait plus intéressant qu'on entende que Arwenia, ouais, c'est ça. Tu peux enlever ton 4-0 parce que concrètement on va jouer tous les deux là. Attends, je vais encore baisser mon son. Ah, ouais, c'est vrai, mais je vais le garder pour l'instant. Elle rage. Je ne rage jamais, moi. Tu sauras. Au rage, au désespoir. Je suis calme, comme l'eau qui coule. Sauf quand je te botte le cul! C'est ça, elle est pas du tout calme comme l'eau qui coule. Pendant que nous on est en train de ratatiner à travers son bras de fer. Et je comprends pas pourquoi on l'entend pas assez. Faudra que tu viennes voir en partage d'écran en vrai tout à l'heure. On va choisir mon fond vert. Attends. C'est mieux équilibré quand tu as remonté ton micro. Voilà, j'ai encore baissé un peu. C'est quand tu veux, chef. Hein. J'y suis. Bah, crée ta réunion, donne-moi l'idée, et puis voilà.
Bon bah on lui fait dessus. Oh l'armure animée c'est relou. Pour Argus. Ah ouais. Attends, hop. Ah. Oh mon dieu. Inviter des participants, c'est quoi ton idée? Bon, c'est PC en majuscule tiré Louis tout en majuscule. TeamViewer a cessé de fonctionner. Magnifique. Extraordinaire. Ah, ça a produit. Génial. Bravo Sungeek. J'hésite tellement à te ban. Ma petite Sungeek. Sungeekette, comme on peut l'appeler. De par la petite taille de son personnage et de son individu. La petite thèse de son esprit, peut-être. Là, pour meubler, vous avez un notice qui fait du claquement de doigts pendant que Arwa essaie de lancer Team Cooper. Autrement, qui sera au Meldon samedi pour le tournoi Hearthstone pour me voir gagner? Ou pas, parce qu'en fait je suis pas sûr de jouer, je vais peut-être laisser ma place à un de mes joueurs, mais... le principe. Sungi, si tu pouvais arrêter de fave tous les... enfin de cœur, cœuré comme on dit maintenant. Tous les statuts où on se moque de moi sur Twitter. Tu me cherches effectivement, mais je te trouve dès demain soir. Oh là là, oh le respect est disparu. Je pense que demain soir on va juste jouer un jeu de versus fighting pour se défouler les nerfs mutuellement. Dans ce sens, je suis en train de regarder Twitter, c'est que ça a fait en fait. Je pourrais danser la lambada, mais j'ai pas envie. J'ai utilisé ma langue pour remonter mon micro, c'était bien crade. Moi, je bosse le samedi. Ah, c'est triste. Ah, ouais, ah, ouais. T'as reçu. T'es là ou pas? Je t'entends plus en fait. Ah non, les poulas! J'avais pas remarqué, mais la crash! Elle a crash, on repart en bras de fer. On repart en bras de fer. J'ai pas remarqué, mais elle a crash. À tous les coups, elle m'a envoyé SMS. Ah, mais elle est heureux. Bah. Ah non, les viewers viennent non, de dire. Non, je te propose qu'on fasse une vraie partie. Merde, je viens de lancer un bras de fer, bah j'ai concede. Ok, BO3. BO3 ou pas BO3? BO3. Attends, je concede le bras de fer. Plus de respect. Mais on prend des deux classes différentes, hein. Et Conquest. Ok, ça me va. Et tu fais pas tes magouilles à la zob là. Que même comme ça tu quand même comme ça tu gagnes alors qu'en fait tu crois que tu vas perdre. BO3, je vais jouer les tournois que je vais jouer au Melt samedi. Ah non merde, c'est pas là, c'est là. Hop. Ouais, on va commencer par un deck de mon invention, un deck que personne ne joue. Je vous demande d'accueillir. Le paladin. Deck que tout le monde joue. Le paladin secret. J'ai bien miniqué sa race. Non, pardon, j'ai pas joué le paladin secret parce qu'en fait je viens de le dire donc je vais jouer ce deck là à la place. Bon, je suis sûr qu'elle a que des decks, t'es mort. Ah, elle est revenue, c'est con, hein, t'es eu deck. Mais Sungeek, pourquoi cette violence verbale que tu n'oses pas avoir quand on est en Skype, tu l'as quand on est en chat? C'est le chat, c'est ça, c'est l'anonymat qui t'invite à venir. Bon, là elle joue un chemin de cancer de tes morts. Oh la main! Oh la main, t'es pas. On va juste mulligan ça. Si on trouve la sœur jumelle, il y a tellement moyen de lui réclamer sa daronne. Oh, c'est bien! Oh, ça c'est fort contre son deck chaman cancer. Si c'est chaman mecha, c'est chiant. Mais je pense pas qu'elle sache le maîtriser. Je pense qu'elle joue juste chaman cancer. Sinon, vous remarquez qu'il a l'air d'un pingouin quand il applaudit ou pas? Ah, oh, ça veut dire qu'elle stream hack! Ça veut dire qu'elle stream hack! ça veut dire que. Non, si! Ça veut dire que chaque fois que tu applaudis, t'as l'air d'un con! Si, est-ce que ça veut pas dire qu'elle stream hack? Je suis désolé. Stream hack. Mais non, tu fais toujours ça dans tous tes streams. Non, je suis désolé. Mais si, tu fais toujours ça. Mais demande à Sungeek, tu fais toujours ça. Stream hack. Je suis désolé. Non. Tout le monde spam stream hack. Tout le monde spam stream hack dans le chat, s'il vous plaît. Genki Lama du stream hack. Ok, elle joue cancer, mais je le savais. Oh, comment elle a stream hack? Oh, j'ai mal. J'ai mal pour toi, ma pauvre petite dame.
Tu te respectes même pas, quoi. Ouh, si ça peut te consoler de croire que je streamhack, mon petit. On joue pas du tout Bala Secret, c'est ce qui nous permet de nous différencier en fait dans la méta actuelle. Et le Shaman Cancer a beaucoup de mal contre le deck secret. Je dis pas ça parce que je vais la défoncer, parce que je vais la défoncer, mais je dis ça pour de vrai. Pingouin. Oui, il le fait toujours, je vous confirme. Peut-être, mais j'ai l'air d'un pingouin qui a du style. Et ça, madame, vous ne l'avez pas. C'est une blague. Bah, elle se tâte pour jouer un deck cancer, quoi. Si elle trade, je ris. Mais je fais qu'est-ce que je veux. La meuf rope pour jouer un deck cancer. Mais tu verras bien, bon sang. Tu verras bien ce que l'avenir nous réserve. Bon. K.O. Il m'énerve. Attends, qu'est-ce que je viens de voir passer qui serait d'une information capitale? Peut-être que... Vous allez vous battre, Vermine. Ça joue... Ah, le secret qui ne sert à rien, oui! Oui, mais contre toi, ça sert forcément à rien. Bah, contre ce genre de deck, ça sert à rien. Alors, je fais appel à vous. Devine Arway, parce que les autres vont cheater, ils vont aller sur Internet. Devine Arway, tu as 10 secondes pour deviner qui est en couple avec Cyril Lignac. En couple avec Cyril Lignac. Oui, c'est pas Zinedine Zidane, c'est une femme déjà. Mais je sais pas, il aurait pu être homo. Je te dis, c'est une femme. Sophie Marceau. Sophie, oh comment... Sophie, comment tu peux me faire ça? Sérieux? Ouais, selon Voici. Oh my god. Tu as vu un vagabond qui a du style, juste là. Qu'est-ce qu'elle a joué? Ah oui, le cavalier de tes morts là. Bon bah, vous pouvez dire au revoir à tous les espoirs d'Arway de gagner cette game. Faites comme moi, au revoir les espoirs d'Arway de gagner cette game. C'était pas la meilleure conseil de ma vie, mais c'était bien. Souk, au prochain tour on fait Crash Vase, au tour 6 on fait Adversaire Mystérieux, au tour 7 on fait Dr. Boom, au tour 8 on fait Tyrion. C'est les 4 cartes qu'on a dans notre main actuellement, et comme ça on la défonce. Et sinon c'est très bien de me dire ça. Ah oui, c'est vrai que je suis désolé, il y en a qu'on fait stream hack et ils se sont fait ban. Oui, bah c'est la faute du Moobot qui a été configuré par Arway. Donc là, on va jouer le Crash Vase instant. Oh! Beaucoup mieux. Non, en fait, on va jouer ça. On est peut-être un peu mytho au sujet de notre main. Peut-être un peu. Tu as de saines lectures, Louis. Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais lu? Ah oui, voici. Non, mais en fait, c'était pas ça. En fait, pour troll, j'étais sur programmetv.net et je vois programmetv.net en dessous la pub. Devinez qui est en couple avec Cyril Lignac. Et pendant qu'Arway installait son truc, la Team Viewer, j'ai cliqué. Mais je ne lis pas, voici. J'y participe, mais je ne le lis pas. Allez. Le meilleur esprit combatif de ma vie. Juste une question, Arway. Oui. Toi aussi, t'es sur la map avec le cristal en bas et le rubis en haut à droite ou pas? La nouvelle map d'archéologie là, enfin de. Ouais. Oui. D'accord, mais c'est pour savoir en fait, je me suis toujours demandé si les deux avaient la même map, parce que ça n'a aucune incidence. Mais effectivement, les deux ont la même map. Ou alors c'est un hasard, mais vu qu'il y a une dizaine de maps, ça me paraît un hasard un peu gros quand même, un peu dur à avaler. Ouais, alors ça donne quoi? Bah voilà, ça donne 4-0 actuellement. Le savoir ancestral, bien sûr, la carte des faibles. Mais c'est BO3, c'est BO3, c'est BO3. Allez. On y croit, on va lui défoncer sa race. Parce qu'au prochain tour, on va faire ça, elle va pleurer. Elle va faire. Je m'excuse d'être méchante. C'est nul. Oh, Golem Totemique en Golden. Golden Totem pour tout. Non. Non. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça pour avoir l'étale sur un éclair. Vas-y, je la laisse. Je la laisse même pas taper parce que je la respecte pas. Bon, allez, on va être obligé de modifier le texte du chat. On va mettre 4-1, 4-1, mais bon, 4-1, 4-1. 4-1, c'est bien, ça évite en fait. Alors, moi, je précise juste une petite chose, et j'espère qu'ils m'entendent pour toi. Ouais. C'est que on fait des parties pourries, tu gagnes. Et parties, je gagne. Oh, l'excuse. En fait, j'avais une main de merde, c'est pour ça. Allez, deuxième deck. Enfin, deuxième match. Attends, d'ailleurs, non, on va faire comme à ça. À force de trop t'en servir devant Tank, c'est forcément que t'as une main de merde.
J'en connais, j'en connais d'autres qui aiment bien servir de leurs mains. Tu vois de qui je parle ou pas? Non? Ouais, je vois, ouais. Bon, allez, sélectionne ton deck pendant que je règle mon ordi. On va voir si elle connaît les règles du format Conquest. J'ai des doutes. Bah, j'ai validé mon deck Shami, donc je ne peux plus l'utiliser. Ouais, elle est forte. Waouh! Pourtant, il y a 2 minutes. Pourtant, je tiens pas en place. Pourtant, il y a 1 heure et demie. Enfin, il y a 1 heure 50 plutôt. J'étais à la salle de sport en train de faire. Abdos fessiers, comme on dit dans le milieu. En train de pousser à la salle. Non, mais en train de faire. Allez, poussez, poussez! Comme quand tu fais caca. Ah ouais, le seul moment où elle pousse, c'est quand elle fait caca. Moi, c'est quand je vais à la salle. C'est dégueulasse. Bon, sélectionne ton deck, putain! Mais j'y suis là! Elle a pris encore des cancers, donc. Dixit, le gars qui joue pas à la secret. Donc voilà, donc nous on a décidé de jouer un deck tout à fait original pour bien lui niquer sa race et lui montrer qui était le daron ici. Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, tu tiens pas en place, mais heureusement que moi il n'y a pas la cam parce que je tiens pas en place non plus derrière mon écran, donc c'est un peu tendu quand même. Elle roulotait, c'est pour bon, ça. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Alors je précise à Arwenia que comme on n'est pas en King of the Hill, j'ai le droit de jouer à nouveau le deck paladin. Ouais. Voilà, je manque de respect en disant ça. Alors on a mis un petit noble sacrifice des familles pour bien la défense. Ah, ça part en pièces, ça part en pièces méca téléporteur tous les jours. Non, ça m'en fout, ok. Non, mais j'avais rien à jouer T1 aussi. Plus cher, mais pourquoi? Oh! Oh, c'est top deck! Ah, ça c'est top deck, c'est gratuit, ça ne se refuse pas. Sinon, ça va, tu le vis bien de faire des top decks tout le temps ou pas? Bah, non, parce que j'ai pas joué. Le robot mignon blindé, j'avais déjà en main, j'ai pas top deck. Oh, je crois qu'il y a moyen de la défense. Ah, non. Entité, c'est relou. Si c'est entité, ça va pas me faire rire, franchement. Donc on est obligé de jouer ça. Mais quel est donc le secret Ok, c'est Counter Spell. Si elle joue mage secret, c'est si elle joue mage secret, c'est qu'elle connaît rien à Hearthstone. Moi, je connais rien à Hearthstone, mais. Oh 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 oh, on se calme, mon petit. T'es aussi sur le Platon Axanas là. What? WTF? Et oui, j'ai ouais. Une question pour toi. Est-ce que tu es sur la carte où il y a le petit monstre avec le crâne et tout ça? Non, parce que je me suis toujours demandé si on avait la même carte. Là, j'avais coupé ton son. Voilà. J'avais coupé ton. J'ai toujours coupé ton son en fait. Hein. C'est cela, oui. Non, je déconne. Pendant qu'on apprend des choses sur Froze sur Skype. C'est quoi ce deck qui va me permettre de revenir à un partout? Comme c'est sûrement une effigie ou un dupliqué, on va appliquer ça au gnome lépreux. Tant de manque de respect pour les couteaux sur ma gueule. Ouais. Allez. J'avoue qu'un petit couteau dans la 1-3 ça aurait permis de faire le trade. Allez, on remet ça. Mange-toi les couteaux. En fait, j'aurais vraiment kiffé qu'il y ait... J'ai failli faire un misplay parce qu'en fait, si le couteau de l'araignée se mettait là-dessus et que le couteau de la 1-1 se mettait là-dessus, je perdais un couteau. Je perdais un dégât. Mais bon, j'ai pas misplay parce que la RNG était avec moi. On attend qu'elle fasse son AOE dans les tours qui viennent, donc on va pas forcément développer le board trop tout de suite. Ouais, ok. Non, je ne le veux pas. T'as toujours pas pigé que c'était un deck fait par moi-même ou pas? Ah oui, donc un deck nul, si si, j'avais compris ça. Bah contre toi, je pouvais pas jouer autre chose. Oh, c'est gentil ça. Bon, on se met bien, surtout que même si elle clean tout, on a ce qu'il faut pour repartir derrière. Donc clairement, on s'en bat les steaks.
Et on a gagné au prochain tour normalement en plus. Non, décharge électrique. Mais là je suis un peu amorphe, c'est la fin du stream donc forcément c'est plus compliqué. Enfin c'est plus compliqué comme j'étais au début du stream. Ok, la Nova Givre, donc elle joue une espèce de mâcherise de tes morts. Oui c'est ça, elle va faire elle va me mettre 4 dégâts. Ah non. Ok, en fait normalement le match freeze t'es censé attendre que. T'es le. T'es censé attendre qui. Comment il s'appelle, punaise? Torisan qui soit passé, qui ait réduit le cours mana pour pouvoir faire boule de feu, éclair de givre, javelot de glace, et là normalement c'est létal, je crois. Avec la pyro au tour d'avant. Ce qu'elle a pas fait. Donc là c'est. Il y a 99% de chance que ce soit un bloc de glace, ou alors c'est un spell lender. Un courbe sort. Qui m'étonnerait beaucoup. Si c'est un bloc de glace, j'avoue qu'il y a moyen qu'elle me tue. J'avoue. C'est un peu bizarre comme play. En fait, elle aurait pu me tuer. Elle a mis 8 dégâts sur ma personne. Nous, on va faire péter le bloc de glace pendant ce temps. Et là, je vois pas comment. Alors que les deux javelots de glace sont passés, les deux boules de feu sont passées, et qu'il y a qu'un seul éclair de givre, c'est impossible que pour 8 de mana, elle me mette 17, donc en fait, on a gagné. Même si elle a le deuxième bloc de glace, en fait. On a même fait péter le bloc de glace, mais c'est pas très grave. Là, tu sais pas quoi dire, non? On t'entend plus d'ailleurs. T'es là ou t'es morte? Non, je suis complètement là, tout va bien. Ok, deuxième bloc de glace, sûrement. Peut-être même, possiblement. On va essayer de mieux le faire péter cette fois. Non, qu'elle a plus de sorts de dégâts directs à part les torches oubliées, à mon avis, c'est impossible qu'on perde. Même si elle a les deux torches oubliées, en fait. Elle nous met pas suffisamment de dégâts pour nous tuer. Bon, il y a Auspiciness qui va sortir. Non, je rigole. Ça m'aurait bien fait chier, n'empêche. Ça aurait été marrant. On va mieux faire péter le bloc de glace ce tour-ci. Oui, j'ai eu peur d'avoir missé un truc. Hein, d'avoir missé un truc. What? Il se fait peur tout seul. Oh, attention! Que vais-je jouer? Même si elle flame strike ou elle fait hitbot. Ok. J'aurais presque pu gagner, dis donc. En fait, elle avait les dégâts mais elle les a mal utilisés. Donc un pas. Ouais. Voilà, j'ai eu 10 torches oubliées. Je connaissais donc son deck par cœur. Oh, est-ce qu'on BM? On BM, allez. Ça me frustre un peu que les gens ne m'entendent pas en fait. Mais ils t'entendent un peu, mais pas beaucoup, mais ils t'entendent. Mais t'as un Bah oui, casque mais mi. c'est frustrant. Rassure-moi, t'as un casque micro. Bah bien sûr. Mais ils t'entendent un peu quand même. Rassurez-la, les viewers, vous l'entendez un peu quand même. Non, c'est pas du tout du tournoi. C'est un truc comme ça où je m'amuse à défoncer ma rédac, chef. Mais si, on t'entend, ils t'entendent. Le disent. Mais moi, oui, il se passe. Ah oui, on attend juste que tu sélectionnes le deck aussi. Hein. Ouais, je sais, détends-toi, ça va bien se passer. On attend. Je peux essayer de prendre un deck lolilol. Bah après, je te Ou défonce, un mais je vais peu. déjà te défoncer. Oui, vas-y. Moi, j'ai pris un deck de ma Choisis création. l'un ou l'autre. J'ai pris un deck de ma création là aussi. Je prends un deck lolilol. J'ai envie de m'amuser. Elle a envie de te prendre très très cher, moi je dis. Allez, moussaillon, allons-y. Non, mais là, je fais le contre-coup du survoltage, c'est-à-dire que je suis complètement dévolté. Eh bien, moi, je suis complètement survoltée. Donc, il n'y a pas de souci. La lumière nous apportera la victoire. De te prendre très très cher, mon Dieu. Trouve-nous un truc à faire après ce BO3 que je vais gagner de 1. Merde, pas une super main de départ. Trouve-nous un truc à faire. Moi, je propose que ce soit les viewers qui choisissent un deck qu'on doit jouer. Un type de deck? Ouais, mais bon, ça se trouve. Et si on l'a pas, on fait comment? Mais non, mais genre. Ouais, attends, je réfléchis. On n'est pas arrivé alors. Faudra convaincre que ce C'est soir, si pas tu mal, veux, c'est on pas mal. essaiera de régler ce problème de config. Mais je vois pas pourquoi ça bug comme ça. Ok, là, la main de départ est un peu mieux. Laissez-moi sortir, je suis dans le placard.
que moi je t'entends. Moi je t'entends super fort par contre. Le bouclier de Lord Iron là. Va tout de suite modifier. Non en fait. Voilà, le bouclier de Lord Iron qui devient un petit bouclier de bois. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop, voilà. On n'a pas de T2 effectivement. Oh c'est top deck ça. Oh c'est doublement top deck parce qu'on va. Faut pas... il en peut plus là. Oh, oui. Faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier parce que ça me colle une mimole là presque. Si tu mets tous tes œufs dans le même panier, après tu prends un silence. Ok là elle va taper dans la 1-5 parce que c'est pas joué à mon avis. Ah ouais je tape dans la 1-5 comme ça tu te heal et tu pioches. Ah oui. S'y connaît un peu. C'est le stream de la mort. Je m'amuse à péter les œufs parce qu'on attend que tu fasses ton play de T2. Enfin, alors t'as 0 mana donc t'as peut-être à faire pièce ou préparation. Ou la sable, je sais pas. Pièce pré. Pièce quoi? Pièce poison mortel? Ça sert à rien. C'est ce que tu voulais faire? Je vois pas ce qu'il a fait rire en fait. C'est ça qui m'inquiète presque. D'accord, pourquoi t'as fait la pièce en fait? On a perdu la présidente. J'étais trop fière de mon play. Et il me fallait un mana de plus, putain, comme je suis au boulet. T'allais faire Eviscerate, c'est ça? Non. T'allais faire quoi? Oh, poison mortel, déluge de l'âme? Oh là là. T'allais faire quoi comme play, raconte? Non, je te dis pas, tu verras. Dis-moi les cartes. Putain, j'étais trop fière quoi. Punaise. Oh là 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 là. Ça c'est bien par exemple cette carte, mais si on la met là-dessus ou là-dessus et qu'elle se fait silence, on paye, on perd tout. Ah oui, ah, c'est un play de génie. Le deck mais pirate. Non, ah. Pas ça, Ah si. Mais... C'est la carte qui est là qu'elle voulait utiliser. On a ça et ça pour bien la calmer, tu vois. On va bien lui montrer qui c'est le daron. Qui c'est qui prend, qui c'est le maître un peu ici. Qui c'est l'homme, si tu veux. Ça te fait rire ça. Mais oui, parce que... En fait, moi je m'en fiche de perdre. Du coup, je trouve ça trop marrant. Oh l'excuse bidon! Non, c'est bon, j'ai peur. Ah ouais, tu me verras jamais m'énerver parce que je perds moi. Franchement, je m'en bats. Oh, expression Louis Topu! Et là, on lui manque tellement de respect qu'on va piocher deux cartes. Oh. Vas-y, pioche, pioche. Fais-toi plaise. C'est un plaisir de tous les instants. Non, mais Louis, il donne même pas ça, c'est sur la pierre et basta que dalle. Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Ah oui! Ah non mais moi c'est enchaîner où il y a deux possibles, où je vous enchaîne et je vous nourris pas, et où je vous habille avec plein de vêtements chauds et des couvertures, et je mets 40 degrés ou je vous mets à poil par moins 10 degrés. Hein. J'aime bien mettre les gens au chaud, tu vois tu mets 40 degrés et tu la ligotes, ou tu ligotes et tu lui mets un bonnet, tu mets une écharpe, tu mets deux pantalons, comme ça il meurt de chaud. Autrement je mets du pain, mais du pain rassis. Tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer, mais c'est quoi ce deck si tu peux rien faire au tour 4? Ça sent le 5-1. Ça sent peut-être le 5-1, pendant que les viewers et Arway réfléchissent à ce qu'on va faire ensuite. Et ma liste de contacts, j'ai 80 contacts, monsieur, sur Battle.net. Moi, je pèse. La limite, il tente 200. Sur Skype, ça fera vraiment moche. Ouais. En fait, ça va faire très moche parce que je vais être obligé de tout prendre et ça va être dégueulasse, en fait. Le parasite au déségout, tout à fait. Au déségout qui s'infiltre dans tes narines grâce à des trucs que j'ai disposés préalablement. C'est du gâteau. La 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 la. La 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 la. Tu parles de trucs chelous quand même des fois. De quoi? Ou pas? Quand j'ai dit quoi? Bah de trucs qui s'infiltrent dans tes narines quand même, c'est un peu chelou, non? C'est vrai. Après, y a un classique qui passe par au-dessus, mais je vais pas le dire. Oh, sale, sale. Bah oui, mais enfin, tout le monde l'attendait. Bon. Oui, mais vas-y, tu vas gagner, fais-toi plaisir. Y a un autre truc qui est bien, mais qui est difficile à faire. Parce que quand on n'est pas à côté, c'est de construire le deck avec lequel l'autre doit jouer. Mais c'est compliqué parce qu'on joue pas à côté, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. J'ai encore dit, tu vois ce que je veux dire. Une petite game d'arène. On va faire ça par Skype après, tant pis. On va faire ça sur Skype juste après cette game, ok? Ouais.
Allume ton Skype. Tu me dis pas s'il te plaît, je le fais pas, ok? Je suis une rebelle de la vie, moi. S'il te plaît, Arway, tu peux faire ça, s'il te plaît? Ouais, d'accord. Attends, regarde ce que je vais faire, regarde. Non, parce que je suis en train de gérer la rédac en même temps, moi. Ouais, attaque mentale, balestec. Et encore! Alors là, faut savoir que je joue sans regarder mes cartes, quasiment. La la la, je me balade parmi mes défaites. Attends, parce que je suis en train de gérer la rédac. Oh, trop de skill. Une toute petite seconde et j'arrive. Y'a la corde, oui, y'a la corde. Non mais j'ai le son du jeu, hein. Je continue à gérer la rédac après. Ok, elle a joué le canon du navire, je m'en contrefous. Attends, je crois que je me suis overdraw. Attends, faut que je joue un truc sinon je vais m'overdraw. Ah, overdraw. Je vais jouer ça pour. Ah bah. Comme dirait mon meilleur ami, bah c'est une expression un peu vulgaire, je vais pas l'employer. Je peux ou pas? Non. Non, je vais pas l'employer. Si je l'emploie, allez. Je chose du 20 cm et c'est pas des chaussettes. Voilà. T'en penses quoi? Non. C'est la stricte réalité en plus. On m'appelle l'homme éléphant, rapport à la trompe bien sûr, l'homme bambou. Regarde. Oh, la furie. Ah, le déluge de lame à 1. Oh, le déluge de lame à 1, ça n'a jamais été fait. Et regarde, je joue des cartes après avoir joué mon arme. Regarde. Oui, c'est vraiment mongol. Oh, elle m'a overdraw, T'es pas allé vérifier, donc je te permets pas de dire ça. Hop, boum, boum. J'aurais pu dire un truc, mais je vais pas le faire. Du genre, je suis allé vérifier, j'ai pris un microscope, c'est ça? Tu le vis... ouais, un truc de ce genre. Ça va, tu le vis bien ton Dr Boom qui est popé, là? Bah, il y avait une chance sur 20 à peu près. Enfin, il y a 40 légendaires dans le jeu, donc il y avait une chance sur 40 à peu près. Le mec... Ça volait tellement haut, ça. Ouais. Attention. Le sprint. Le sprint. En fait... Ce qu'il faut dire, c'est que quand je fais des duos avec des personnes raffinées, en général, j'arrive à avoir quelque chose qui vole assez haut, quelque chose qui plaît aux viewers, hein, on peut le dire. Donc je pense notamment à ma partenaire de haute volée, Sun Geek. Alors quand je fais des duos avec des personnes de bas étage, bon bah ça vole pas haut. Non mais c'est toi qui a descendu les étages tout seul, mon gars. Je crois qu'on a plus ou moins l'étal, là. Plus ou moins. Plus ou je moins, pense à mon avis. Je pense pas. On va même faire pop une nouvelle légendaire. On va péter, on va tuer Dr Boom. Allez. Vas-y, tu peux pas me laisser juste le prochain tour? Si, mais je te mets à 1. Tu me mets à 1 parce qu'il y a plus de respect. Ça. Mais je joue avec le feu. Voilà. Après on la tue, même si elle est clean tout le bord, on la tue, donc c'est pas très grave. Non, mais c'est pas... je reçois un MP, c'est la game, tu dois le ressentir en toi. Ok, docteur GG. Manque total de respect. Attends, j'ai pas suivi, j'étais sur Skype. Ah oui, excellent, moi j'ai presque repioché tout mon deck. Hein. Si tu veux, je te tue que quand je suis arrivé à la fatigue, sauf si je me risque de mourir de manière imminente. Vendu, tape là. Sauf si ça risque de me faire mourir, évidemment, sauf si t'as l'étal sur le board. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? Tu vois pas que j'ai pris un deck que je joue jamais Fufu? Ça, je m'en fous complètement. Moi? Je prends pas de médoc? Mais pas du tout, Polaris! Oh, j'ai un mauvais draw! Pas du tout! J'ai un peu de mauvais draw, mais c'est pas grave. Oh, Galwix! Bon, alors là, bonne chance quand même pour venir me tuer, parce que la fatigue c'est dans 3 tours. Hein. On m'a dit, on la tue pas tant qu'on n'est pas à la fatigue, sauf si la mort est imminente. Regarde ce top deck de ouf. Regarde. Attention. T'es prêt? Ouais, attends, je suis en train de gérer des trucs importants là. Espèce de bâtard. Wow.
go! Ouais, ça sent un peu le dé. Ah, mais elle s'est suicidée comme une merde! Infâme! Mais j'avais une provoque! Ouais. En même temps, il reste que 12 minutes! On continue nos games, non? Comme tu veux! Vas-y, on fait le partage d'écran. En fait, ça te fait trop plaisir de gagner. Non, on fait le partage d'écran, c'est parti. Parce que là, pendant ce temps, sur OBS, c'est pété. OBS est pété, donc grouille-toi. Moi, je propose juste ouais. Un truc. Demain, tu mets ton micro. Ouais. Et ils viennent nous revoir de 14 à 16 parce que je vais pas prendre des médocs, je vais pas boire, mais je vais être de ouf, de la folie, de la mort qui tue. Ok, vas-y. Tu veux quand que je t'appelle tu... ouais. Je t'appelle, ma petite quenelle. C'est parti. Voilà. J'ai mis un petit message sur le live pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de jeu pour l'instant. Bah, j'ai peur, t'as mis quoi? Louis attend qu'Arwe revienne pour la défense. Une brêle. Je joue contre une brêle. J'ai vraiment des questions existentielles qui me sont posées. Je suis en train de t'appeler. Je l'appelle parce qu'elle sait pas faire. Mais... Ah putain, ça fait tout planter. Ça fait tout planter. Là, je l'appelle, mais elle ne répond pas. Allô, il la merde dans les tuyaux. Allô, allô ouais, Je t'entends. Vas-y. Je t'entends. Fais-moi le partage d'écran. Fais-moi. Oh, du coup, ils entendent le son sur Skype ou sur TS, oui, là? Oui, ils entendent sur Skype. J'ai coupé TS. Enfin, je me mets en absent. Voilà. Voilà, un minimum interactif. Bon, grouille-toi de me faire le partage d'écran, là. Et du coup, ils m'entendent ou pas? Oui! Non, je suis pas sûre, moi. Allez, c'est parti, mon ami! Attends, faut pas qu'on voit des trucs que j'ai sur les côtés. Faut que je cache! Hop! On l'entend parfaitement! Bon putain, mais Sunkeek, on l'entendait pas du tout quand elle était sur. Je vois pas encore. Ah si, c'est bon! Alors attends, je vais mettre ça en plein écran. Wouh! Yes, we are! Attends, je veux pas savoir ce qu'elle a sur les côtés, moi. Mais j'ai caché. J'ai bougé mon écran. Elle a 400 PO. Oh la schlag. L'argent des abonnés. Et encore. Alors, une arène, mon ami. Alors, il faut que je remette le... Merde, j'ai fait cap. Ah non, j'ai une arène en cours. Oh my god. Je capitule. Non. Bah si, t'as un 1-3 en même temps, t'es une brêle. Non mais, tu veux que je te parle de ton arène de 3-0? Ça n'existe pas. Oh si. Oh mais si, ça existe. Mais dis donc. Mais dis donc. Bon allez, mais là, t'es perdu le petit Louis. J'en veux tes fesses. Mais c'est pas de ma faute, c'est la clé là. Bon sang de bonsoir. Attention, à gauche, nous avons un paquet. Et à droite, on va qu'on parle un peu sur TS ensuite, j'ai des trucs que j'ai reçus par SMS. Oh mon dieu. Honnêtement, on en parlera plus tard. Allez, grouille. Mais grouille tes miches. Ah oui. Bah c'est bon, j'ai grouille, je bouge là. J'ai grouille. Alors là. Là, c'est le choix de la mort. Évidemment, tu. Ah, on est d'accord. En même temps, tu m'aurais dit autre chose, je t'aurais envoyé te faire mettre. Je te le dis. Direct. Parce que je suis en train d'expliquer un truc à Mio en même temps. Ah merde. Il explique un truc à mieux. Ah merde, désolé. Oh, putain, merci de nous l'avoir dit, c'est un peu con. Bon, allez, vas-y. Donc, T'as trois cartes de merde. T'as que des cartes de merde, prends le démolisseur parce que t'as besoin d'un tour 3. Le sapeur gobelin, tu le joueras. L'adversaire aura jamais plus de 6 cartes en main. Merde, j'étais en train d'essayer d'expliquer un truc à mieux en même temps. Mais alors, le but. Quoi? Là, enlève la souris parce qu'on voit pas la carte de droite. Enfin, je devine, mais. Bah là, tu prends le jongleur de flamme, t'as besoin de beaucoup de T2, 6 et 7 T2. Le but, c'est que tu m'expliques, pas que tu sois concentré sur autre chose. On est d'accord? D'accord. Bon. Donc. Le bot, c'est pas forcément utile, je pense. Enfin, après, ça dépend. Si. Il faut toujours prendre une 3-2 plutôt qu'une 2-3, sauf si c'est des camouflages. Moi, j'aurais pris la 2-3. Non, il faut toujours du heal en arène. Ok. La base. Non, il faut pas trop de heal, mais bon, vas-y. Pas trop de heal. Toujours, j'ai pas dit trop. Ok, la 3-4, la 3-4 tous les jours, parce que c'est un mini Yeti. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des stats améliorées par rapport à sa valeur. Donc, elle peut faire du card advantage. Elle peut faire du card advantage.
Elle peut faire du card advantage de fou, assez intéressant. C'est du Yeti Nunei. Là, t'as 3 cartes de merde. Après, le tour 6 peut être pas mal s'il y a beaucoup de cartes qui meurent. Le tour 4, on n'aura pas forcément l'utilité parce que c'est une 3-5 pour 4, donc c'est pas super. Pour prendre les trades, et le modeste écuyer est pas bon, mais on n'a pas de tour 1 pour l'instant. Moi, je dirais soit l'aspirant, soit le modeste écuyer avec une préférence pour le modeste. Toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais que j'ai pas écouté, donc je prends le modeste écuyer. Attends, parce que j'ai pas l'heure pour savoir quand il faut rendre le stream. Ok, c'est bon, j'ai l'heure. Non, parce que j'ai pas l'heure si je suis comme ça. Est-ce que ça marche si je suis re... Avant l'heure, c'est pas l'heure. Éclair de givre! J'ai même pas regardé parce que j'essayais de regarder le chat en même temps, madame. Bah oui, mais t'en occupe pas de ça. Oui. Allez, c'est parti! Attends, on voit rien. On voit rien. Il paraît qu'on voit rien. Écran noir. Je sais pas, j'ai pas le. Attends. Mais si, ça marche. Regardez. Là, c'est toutes les. Là, c'est tout ce qu'on est en train de me dire. Et là, on voit normalement. Mais voilà, c'est bon, Frost, c'est bon, on est d'accord. Ça marche. Bon, bah là, araignée des tombes. T'auras pas d'autres bêtes. Araignée des tombes, parce que les bêtes, c'est mieux que les cartes. Attends, ça dépend, parce que les cartes à 3 en mâche, c'est les secrets. Oh mon dieu, la vitesse à laquelle il parle! Oh mon dieu! T'as peu de chance d'avoir des bons secrets, en fait, parce que. En mâche, t'as peu de chance d'avoir des bons secrets à part. Miroir. Bah puis alors, il faut savoir que moi j'ai jamais de chance dans mes plays, hein. Je te le dis. En vrai, Enfin dans mes franchement. draws, donc. On a franchement l'araignée des tombes, parce que les bêtes peuvent être intéressantes. Ah merde, attends, j'ai fait une connerie, je crois. Allez, zou. C'est parti. Est-ce que ça Carte de marche là? Le merde! chat, ça marche là ou pas? Voilà, ça marche! 1, 2, 3, Oui, carte de Sungeek, tu voyais merde! avant. Je vais passer une minute avec Angli. Eh ben, je suis désolé. Attends, parce que. Là, sur OBS en fait, donc je vois moins bien. Enfin, je crois que j'ai merdé encore. Non, c'est bon. Est-ce que vous voyez toujours là, même si vous voyez les conversations à côté ou pas? Dragon affamé, ça invoquera qu'une merde en face, je pense. Besoin... C'est le meilleur tour 4. Ah non, vous voyez pas les conversations sur le. Il inflige 6 points Boule de de feu, dégâts. boule de feu, tous les. Boule de feu. Il faut une boule de feu. On fera le stream à la fin du draft pour pas en retard. À dire, c'est un peu de la merde. Même si en même temps, si l'autre t'as pas le moyen de le gérer, ça te fait un tour 1. Explomage Gobelin, t'as 2 mécas. Donc... Non, t'as 3 mécas, donc Explomage Gobelin, t'as 3 mécas dans le deck. Acolyte! Ouais, Acolyte, c'est un bon moteur de draw, c'est un bon moteur de pioche. Acolyte! Non, 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 ça fera trop de. Je te taquine. La 3-5, pourquoi pas, mais ce que tu veux là. C'est pas, franchement là j'hésite entre la 3-5 et la 1-3. Voilà, après c'est que. Là, le Goryeobot, parce que t'as Goryeobot, t'as suffisamment de méca, et... ou deux boules de feu, pourquoi pas, mais en fait, t'as suffisamment de méca pour qu'il s'active et que tu puisses faire du card advantage avec. T'écoutais, je t'écoutais. Le Tazingo, parce qu'en titre miroir, tu as copié de la merde. Le Tazingo, clairement. Sur le Maître Boutissin. Non mais ça va, ok. Maître Ban. Bou. Attends. Attention. T'as que 1 tour C'est la 1. 15e carte, c'est là que tout va se Non, mais jouer. t'as que 1 tour 1. T'as que 1 tour 2. Alors que t'as 1, 2, 3, 4, 5 tour 4. Donc il faut arrêter les tours 4 à moins qu'il y ait que de la merde. Donc là, 2 tour 2 plutôt. Il charge alors que oui, tour 2 clairement. Métamorphose. Oui, c'est Dans un ton ship, elle me. arc. Le Flame Feu de Strike, tous les flamme. gens, Flame Strike, tous les gens, tous les gens. Dès que tu vois un Flame Strike, tu prends. Putain, il en peut plus là. Il Bah, va décéder. entre les deux tours 1, la meilleure c'est celle de gauche parce que t'as pas d'autre Murloc. Ah si, t'as un autre Murloc, mais en fait, le problème c'est qu'ils sont trop situationnels alors que celle de gauche te servira tout le temps, le sergent. Il est tellement grosseille. Chouette, chouette, chouette. Il nous faut un silence. Non, on avait déjà, on avait le ship, putain, je regardais le stream en même temps. Lob Bomb, c'est très très fort. Non, ship, c'est pas un silence, ok? Lob Bomb, c'est très très fort parce que ça clean à peu près n'importe quoi. Maître du cul. C'est bon, je l'ai pris, je l'ai pris. Maître Maître du du cul. cul? Ah! Elle est J'en pour ai toi même un celle-là. slag. Sinon, ça te gêne pas qu'on prenne que des tours 4. Il faut un T2, il faut un T2 encore, donc cœur de femme, c'est pas grave, il faut absolument un autre T2. Il vient de me dire on prend que des tours 4 et on en rajoute encore! Pas grave. T'as Bah rien qui là, passe. Archimage, il te faut un peu de late game, on n'a pas de late game, on n'a pas eu. En tour 6. Éclair de givre. Intelligence d'arcane, c'est une carte morte, donc. Arcane, c'est une carte. Oh! J'ai cru que c'était légendaire, putain. Oh! Tour 3, le tour 3. Alors, Carte morte, légendaire, tu fais c'est rien pas parce de. qu'ils sont orange, tu vois, que Non mais en fait, j'adore. il y a eu un retard sur le truc d'écran, j'ai vu. Oui, Le c'est canon du trop. navire, c'est un bon tour 2. Ça manque de tour 2. Canon du navire. Et une 2-3, c'est solide, ça trade la 3-2 et. Porte-lance, il manque un dernier tour 2, donc porte-lance, c'est bien. Enfin, c'est bien, non, mais. J'aurais pris, franchement. Bon, attends une seconde avant de sélectionner. Je regarde.
Rien. Porte lance, c'est ce que je. Le chat dit rien. Très là, sympa. Canon lance flamme, ça traîne gratos à peu près n'importe quoi. La 5-4 est mauvaise et la 3-5, 4. La 3-3, la 3-3. La 3-3, franchement. 3-3-3-3. Et ben, moi j'aurais pris le javelot. Je prends le javelot. Prends le javelot. Je n'entends pas. Épique! On entend le retour du streamer, oui. Attends, oui, je l'enlève, je l'enlève. En fait, la 12, tu pourras jamais la jouer, à mon avis, parce qu'en arène, vous avez souvent rarement plus de 3 cartes en main, donc la 12, tu pourras jamais la jouer. Le limon, c'est un bon tour 2. Et comme t'as pas de dragon, ça te fait une 2-6, en fait. Ça te fait une 2-6, tour 4, on a trop de tour 4. Donc je prendrais le limon, franchement. Le limon! C'est parti! Eh bien, on va rendre le stream sur ce magnifique draft. On n'oublie pas le score qui est de... Quel beaucoup enfoiré. À beaucoup. Attends, j'étais sûr que t'allais... Ordre. Déplacer vers le haut. Ordre. Déplacer attends, vers le haut. Regarde, regarde. Le manque de respect total. Regarde juste ça. Voilà, 3230 poussières. Allez. Et pourquoi bisous, tu craves pas des légendaires alors? À plus. Hein? Voilà, donc il y a 6-1. Pour moi, c'est fini. Ça a été un plaisir malgré la personnalité quelque peu rebue, frustre de mon acolyte. Espèce d'enfoiré. Pour moi, c'était un vrai plaisir. Allez, dis au revoir aux gens, Harwe. Au revoir aux gens, Harwe.